Photon d'être présent. Merci à tous les invités. Donc Photon va présenter le rôle de JTAC pour les missions Close Earth Support qui devraient intéresser pas mal de monde. Photon, à toi. Alors, en deux mots déjà pour me présenter vite fait, moi je joue en gros à DCS depuis 2006. Je joue à DCS depuis 2006, d'abord du coup sur l'Ocon, puis ensuite 2008-2010 DCS Black Shark. Après une longue pause, je suis revenu sur FC3 dans un premier temps, alors qu'il y avait déjà le A10, puis des modules comme le SU-25 et les hélicoptères qui étaient en modèle de SU-21. Putain, je vais y arriver, MiG 21 et d'autres modules du coup qui étaient déjà en modèle de vol avancé. Et j'ai attendu en gros le F-18 pour vraiment m'investir dedans. Le Mirage 2000, en gros, vous me connaissez peut-être par là aussi, j'ai fait 2-3 vidéos tuto dessus. Non, un peu plus que 2-3. Peut-être un peu plus que 2-3. Et je dois, un jour ou l'autre, continuer également mon travail commencé sur les vidéos tuto du F-18. Quand j'aurai des journées de 36 heures, par exemple, ça me permettra peut-être de pouvoir dégager du temps pour cela. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler de ce que fait... Alors, c'est con, parce que déjà, j'ai fait une JAC. Hein. A priori, mon thé n'est pas passé, donc vous me pardonnerez cette magnifique faute. Et l'idée en gros, c'est de parler à la fois du training JTAC et à la fois ce que vous ferez en tant que pilote. Donc moi, je vais principalement parler du JTAC, mais si jamais vous vous posez la question de savoir, un pilote doit faire quoi, n'hésitez pas à me poser la question. Ça marche. Je voudrais vous poser la question à vous tous d'abord qui êtes ici. Donc je voudrais en fait que vous allumiez votre micro en réponse positive. Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Doc concernant le training du coup du JTAC? Si c'est le cas, allumez votre micro. Vous me faites un petit... Ah voilà, ok. Voilà. Il y a une personne qui a regardé cette vidéo, deux personnes. Ok. En gros, la vidéo brasse à peu de choses près tout ce qu'il y a à voir. En fait, non, je vais même être plus précis. Il brasse tout ce qu'il y a à voir d'essentiel. C'est long. Le reproche que je ferai, c'est exactement le même reproche que je ferai en fait aux gens qui me sortent Angel quand ils doivent donner leur propre altitude alors qu'ils sont en F-16 ou quand ils me sortent l'altitude des contacts hostiles. Ça fait 2006 qu'Angel n'est plus utilisé dans l'OTAN. À l'époque où j'ai commencé DCS, Angel n'était déjà plus utilisé dans le briefing OTAN. Et le problème en fait que l'on a, c'est que les documentations que l'on a déclassifiées sur le JTAC, eh bien, ce sont des documents utilisés par les forces aériennes américaines. Et les forces américaines, il y a une chose à savoir, c'est qu'ils ne font rien comme les autres. Ce que moi, je vais vous montrer, c'est ce qui se fait donc dans l'OTAN. Je vais vous demander de me croire sur parole, parce que je n'ai aucune source à vous passer. Alors, ça c'est moi, JTAC, et ça c'est vous, peut-être futur pilote qui serez là-haut. Si vous voulez une formation JTAC à proprement parler, si vous voulez vraiment être formé JTAC, il va falloir du coup pas mal bosser. Si vous voulez être formé CAS en tant que pilote, la simple formation que l'on fait ce soir va nous permettre de brasser l'essentiel. Je vais tout de suite squeezer tout ce qui est chiant et tout ce qui nous intéresse moins. Okay, ça, ce petit truc que nous voyons à l'écran, c'est le routing. C'est-à-dire, normalement, ce sont toutes les étapes que l'on est censé faire lorsque l'on est en mission CAS. On va voir dans le détail la première étape, le check-in. Situation update et game plan, on s'en fout. Nine line, on va voir. Remarks et restrictions, on va voir ce qui est essentiel. Readbacks, le collationnement. Correlation, c'est-à-dire en fait, lorsque l'on a un certain type de contrôle, s'assurer que l'on a bien verrouillé, visualisé la bonne target, la phase d'attaque, ce que l'on dit dans cette phase d'attaque, bien évidemment. Assessment of effect, ça c'est du coup ce que le contrôleur voit au niveau du résultat de la passe bombe de l'attaque. Bilier, une fois que la passe d'attaque est terminée, qu'est-ce qui a été détruit? Et enfin, on revient du coup au premier. Juste un petit mot avant d'aller plus en avant sur le routing, pour vous parler en gros du CAS. CAS, Close Air Support. L'intérêt du CAS, en gros, pour vous faire un petit peu l'historique, le CAS, c'est après la guerre du Golfe. Après la guerre du Golfe, pour la première fois dans son histoire, je pense que je peux me permettre d'affirmer ça, l'US Navy et l'US Army sont tombés d'accord sur un truc, les avions de l'USAF font du frat.
c'est-à-dire font du blue and blue. Et il faut trouver une solution pour pouvoir régler ce problème. À l'époque, le CAS n'existait pas. Il a fallu donc mettre en place des protocoles. Tous ces protocoles que nous voyons actuellement, en fait, en gros, ça découle d'une trentaine d'années, en gros, d'histoire du CAS. Première étape, routing. L'intérêt du routing, c'est le moment en fait où on va contacter le JTAC. Après avoir contacté le JTAC va nous dire où aller. Il va nous dire où aller pour, un, nous mettre en sécurité, et un, faire la déconfliction. Nous mettre en sécurité par rapport aux éventuelles menaces qui sont sur place, et également permettre la déconfliction. Pensez, rarement, vous allez être seul sur le théâtre d'opération. Donc le JTAC, en fait, il a sa zone de responsabilité. Concrètement, c'est un cercle tout autour de lui sur sa portée radio. Donc ça fait en gros environ 50 km à peu près de radius. Ça, c'est le boulot du JTAC. Le JTAC, en fait, il a cette zone de contrôle. Et bien en gros, il est responsable, du coup, de tout ce qui se présente à l'intérieur de cet espace aérien. Quand vous allez prendre contact, la première chose à faire, avant plus exactement de prendre contact, on se dirige vers le CP, Contact Point. Ça, je vous invite à le noter. D'accord ? Contact Point, c'est la première chose à faire. Le Contact Point, c'est un point qui est pré-briefé. Ça veut dire qu'avant, en gros, de décoller, vous savez déjà qu'il y a un Contact Point qui est du coup à telle coordonnée. Si on a plusieurs Contact Points, eh bien du coup, même chose. On va se diriger vers l'un d'entre eux, et ensuite, on appellera le contrôleur pour lui dire « on est à ce Contact Point ». On verra des exemples plus précis. On reprendra après. Tout ce que je suis en train de vous expliquer là, on va le reprendre en concret après. On appelle le contrôleur à l'approche du contact point et, bien évidemment, avant, on prévient la WACS, puisqu'on sera très certainement sous contrôle AWACS juste avant, on prévient la WACS pour quitter la fréquence de la WACS. Souvenez-vous, on n'est théoriquement jamais contrôlé par deux personnes en même temps. On est soit contrôlé par un, soit contrôlé par l'autre. Donc quand vous quittez une zone de contrôle, vous passez avec l'autre contrôleur. Aussi simple que ça. On ne quitte pas l'orbite du contact point tant que le contrôleur ne nous l'a pas dit. Donc tant que le JTAC vous a pas dit, tu bouges du contact point, tu restes sur place, tu attends. Le contrôleur vous fait le traffic update et vous annonce les menaces. Le traffic update, c'est donc tout simplement, qu'est-ce qu'il y a dans la zone ? Il va vous dire en gros, dans ma zone actuellement, j'ai telle patrouille qui est actuellement entre telle altitude et telle altitude, à tel endroit. Telle autre patrouille qui est entre telle altitude, à tel endroit. Et vous, du coup, vous notez tout ça, vous notez toutes ces informations. Ça va vous permettre, en fait, de vous faire une photo mentale de ce qui se passe sur le théâtre d'opération. Et donc, à partir de là, vous saurez où sont les alliés et vous saurez, en gros, où sont, comment dire, quelles sont vos limites de manœuvre. Threats, les menaces. S'il y a des menaces importantes, la plupart du temps, de toute façon, ce ne sera que des sites SAM, que des menaces importantes qui vont potentiellement menacer votre déplacement vers la zone d'opération. Attribution des IP supplémentaires. Ça, on ne va pas le faire. En gros, j'ose espérer que lorsque l'on fera la mission de demain, bon, en fait, ce n'est pas j'ose espérer, c'est moi qui vais préparer le brief, donc ce sera fait. Pour la mission du coup de... J'ai dit demain. C'est samedi, non ? C'est samedi. La mission de samedi. Il y aura en gros un petit briefing écrit avec des coordonnées de points initiaux. Initial points, en anglais, IP. Notez ça aussi. Contact point, important, IP, important. L'idée du coup d'avoir des IP préconfigurés, ça veut dire que vous allez pouvoir les rentrer dans vos centrales inertielles. Pour tous ceux qui ne savent pas utiliser les points initiaux et la centrale inertielle, ça va être très compliqué de pouvoir venir de samedi. Donc vous avez en gros plus ou moins 48 heures pour apprendre comment est-ce que vous faites pour rentrer des points dans vos centrales inertielles. T'as pas une vidéo ? Il y a une vidéo tuto pour ça. Oui, mais pas sur tous les avions. Ça, donc du coup, en gros, ce sont les points initiaux. Je vous expliquerai après en gros à quoi ça sert. Pour l'instant, notez juste que points initiaux, c'est important. Et enfin, le point echo. Point echo ou keyhole, d'accord ? C'est une chose qui est aussi extrêmement importante. Le point echo, ça va être un point de référence, un marquage distinct, proche de la zone d'action. Parfois, ce sera directement un point distinct qui sera coup de bol juste à côté des ennemis, et parfois, ce sera un point distinct qui sera à distance des ennemis, parce que bien évidemment, l'ennemi est éparpillé sur le théâtre d'opération.
On verra après comment ça fonctionne. Et ensuite, du coup, on envoie le contrôleur, va vous dire du coup de dégager de l'orbite autour du contact point pour vous dire de vous diriger soit vers l'IP, soit vers le keyhole. Parlons un peu plus en détail du keyhole. Le keyhole, en gros, c'est cette espèce de saloperie que l'on voit au centre. C'est très simple. On a le pointico. Le pointico, comme je vous dis, c'est le point de référence. Il est au centre. D'accord ? Là, comme je vous l'ai dit, coup de bol, on a les targets. On a les targets qui sont pile poil sur le keyhole. Ce ne sera pas toujours le cas. Et nous avons, du coup, des lettres. Alpha sera au nord, Bravo sera à l'est, Charlie sera au sud, Delta sera à l'ouest. À partir de là, le contrôleur, une fois qu'il vous a donné les coordonnées du keyhole, il va vous donner une indication pour pouvoir maintenir, en gros, un circuit d'attente. Comme vous pouvez le voir tout en haut, c'est écrit, vous avez JTAG Stang, donc c'est le JTAG qui parle, Stang 11, Advise when ready to copy echo point. Prévenez quand vous êtes prêt, je vais vous le faire en français directement. Prévenez quand vous êtes prêt à copier le point echo. L'autre il répond, ok, je suis prêt à copier. Il le donne sous format 10 digits, donc ça en gros, c'est des types de coordonnées, vous retenez pas ça, mais en gros, il lui file les coordonnées du point. L'autre, bien évidemment, le pilote, collationne les coordonnées. Et le JTAG lui dit, procédez Alpha 8. Alors, Angels 15, putain l'enfoiré. Angels 15, Angels, vous oubliez. Hein, d'accord, vous avez compris. Donc, proceed to Alpha 8. Et il lui donne une altitude. Eh bien, en gros, ça veut dire Alpha 8, vous prenez Alpha, c'est au nord. Donc, au nord du point écho, pour 8 nautiques. C'est aussi bête que ça. Et en gros, sur, si jamais je maîtrise l'intégralité de mon keyhole, en quelques indications, je peux arriver à faire ce que je veux. Je peux dire à un pilote, je peux donner un relèvement distance à un pilote, et je peux lui dire, on a du coup un exemple de radial. Je peux dire, Stang 11, procéder de initial point 240 pour 8. Et du coup, en fait, par rapport au echo point, 240, relèvement 240 pour 8, je m'installe ici. Je fais un orbite. Alors, je précise aussi une chose. Je ne fais pas un orbite autour. D'accord ? Je fais un orbite plus loin. Je ne vais jamais, jamais, jamais en avant du point qui m'a été donné. Ça, c'est important. En gros, le contrôleur, il faut penser en fait que le contrôleur, quand il vous donne des restrictions, c'est pas pour faire plaisir. C'est pas pour vous faire chier. Si jamais le contrôleur il vous donne des restrictions pour vous faire chier, c'est un sadique. Et c'est un connard. Doublé d'un connard. Pas de nom. Mais vous verrez, en fait, effectivement, vous allez avoir du coup des contrôleurs qui vont vous donner des restrictions et puis vous allez lui dire, putain, mais pourquoi il fait ça, cet andouille ? Je suis tout seul sur la zone, il m'a dit qu'il n'y avait pas de menace, mais quel con. Donc, l'idée, en fait, si jamais je vous donne des restrictions, c'est soit pour faire une déconfliction, c'est-à-dire vous avez plusieurs avions qui sont sur la zone, évidemment, je vais essayer d'en foutre un au nord de la zone, un au sud de la zone et potentiellement un à l'ouest. Vous voyez l'idée. En plus, je peux aussi faire des déconflictions en étagement. Mais ça, après, ça, c'est moi qui fais ma sauce, c'est des trucs de contrôleur. Vous n'avez pas à vous en faire. Mais concrètement, l'idée, c'est ça. Ou alors, je fous des restrictions parce que y a des menaces au sol. Ou je fous des restrictions parce qu'il y a du relief. Et je sais d'avance que si jamais, du coup, je lui dis de se mettre au-dessus de la zone, il va être obscur sur une partie de son cercle, de l'orbite. Donc, je vais plutôt le dire, mets-toi face aux montagnes, donc mets-toi dans telle direction. Vous avez pigé l'idée. Je peux faire en gros ce que je veux à partir de là. Je peux vous dire de faire un pattern entre Alpha 8 et Bravo 8. Donc en gros, vous faites en gros un hippodrome entre Alpha 8 et Bravo 8. Donc jamais vous vous approchez plus près de Alpha 8 et jamais vous vous approchez plus près d'Alpha 8. D'accord ? Donc vous restez toujours à plus de 8 nautiques d'espace de votre point écho. Et voilà, vous me faites un orbite en gros dans cette direction-là. Et vous avez compris en gros l'essentiel du CAS. Déjà, si jamais vous avez pigé ça, on a fait la moitié du chemin. Le reste après, ce n'est que de la lecture. On passe à la suite. Le check-in, puisqu'on parle de lecture. Le check-in, ça c'est le rôle du pilote. Une fois du coup que je vous ai dit, tu quittes le contact point et tu vas commencer à arriver dans la zone d'action. Il va falloir que le pilote me passe un check-in. Le check-in, il concerne toute la patrouille. Ça veut dire que si jamais vous êtes deux avions, trois avions, quatre avions, je veux avoir le check-in de tous les avions, savoir quel est l'armement de tous les avions qui sont actuellement sur le théâtre d'opération avec vous.
C'est le rôle du chef de patrouille, du coup, de me filer ça. Donc j'aime autant vous dire que le point numéro 2, on attend que le contrôleur soit prêt à écouter le check-in, parce que si vous êtes 4 avions, que vous avez des emports différents, j'aime autant vous dire que le check-in, il va prendre une minute ou deux. Donc si jamais pendant une minute ou deux, moi, je ne peux pas parler, et que du coup, je ne suis pas prévenu, et que vous m'enchaînez avec votre check-in comme ça, ça va vite m'emmerder. Ordnance. Donc, en gros, l'idée du check-in, je vais vous montrer, vous avez un exemple après hein, d'un check-in, vous pouvez les retrouver sur le net, hein, tapez CAS check-in, vous avez des exemples. En gros, l'idée, c'est vous allez me dire, si vous avez des bombes, des missiles, des roquettes, vos canons, le nombre d'obus que vous avez dans les canons, si vous avez un TGP, et le laser code. Le laser code, il est censé être pré-brief, et il est toujours, toujours fixe au début de la mission. À l'heure actuelle, dans DCS, nous avons les, si je ne raconte pas de conneries, les A10 et le FA18, qui ont la capacité de changer en vol les laser codes des GBU. IRL, ce n'est pas possible. Laser code, il est fixe sur tous les équipements, du coup, pas tous les équipements guidés laser, mais en tout cas sur toutes les bombes guidées laser, le laser code, en fait, c'est quelque chose qui est inscrit en dur dans la bombe. Les AGM 65 Echo, donc les fonctions laser, la version laser, par contre, tu peux le changer en live. Mais néanmoins, tu suivras toujours cette indication-là si jamais, donc toi, en gros, l'avion a son laser code. Son laser code, c'est le laser code de ses bombes. Aussi simple que ça. Et enfin, l'abort code. Vous utiliserez, pendant la mission que l'on fera, c'est l'abort code in the clear. Doc en parle un petit peu dans sa vidéo. Il parle en fait effectivement des codes de encryption, c'est-à-dire de cryptage, si on veut. Il faut savoir en fait, c'est que non seulement vos radios peuvent être cryptées, mais vous-même, vous pouvez utiliser des codes pour pouvoir communiquer de façon safe, si je puis dire. Eh bien, en gros, ces codes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça peut être un ramrod, ça peut être sur une table d'authentification. On va avoir en gros une table d'authentification avec plein de lettres, et puis ensuite, en gros, on a un cheminement. Le mec, il va donner 3 lettres. Et en gros, la première lettre, on la cherche sur la première colonne. Donc, par exemple, il dit Alpha Bravo Zulu. Alpha Bravo Zulu, la première lettre, du coup, il va chercher sur la première colonne où se trouve Alpha. Une fois qu'il est sur Alpha, il regarde sur la ligne, il cherche, Alpha Bravo. Donc, il cherche sur la ligne Alpha où se trouve Bravo. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé Bravo, il y a un Zulu, du coup, qui traîne dans la colonne. Et c'est la lettre, en fait, qui est en dessous Zulu qui correspond. Et donc, en fait, je vous ai raconté une connerie. Peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est chiant. C'est chiant, ça n'intéresse personne. Les trucs d'encryption, de toute façon, vous ne ferez ça que si vous rentrez dans des escadrons, dans des escadres sur DCS qui utilisent ce genre de choses. Et j'aime autant vous dire que je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Le ramrod, vous trouverez ça sur Internet, c'est assez facile, c'est beaucoup plus simple en gros, c'est 10 lettres et puis l'authentification, elle est facile. Prenez Lumberjack, Jack le bûcheron en anglais. Lumberjack, en gros, vous donnez les 2 lettres et il faut toujours qu'il y ait une lettre d'espacement. Donc en gros, si jamais je prends les 3 premières lettres, L, U, M, l'authentification, ce sera authentifié Lima Mike, et l'autre, il doit répondre la lettre au milieu. Donc l'autre, en fait, il répond uniforme. Si je dis authentifié Lima Mike et que le mec me répond uniforme, c'est forcément que c'est quelqu'un de ma coalition et qui connaît du coup le ramrod qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, un exemple d'authentification beaucoup plus simple. Passons. On s'en branle. Vous utiliserez donc abort code, vous m'annoncerez abort code in the clear, qui signifie pas d'abort code. Et en gros, quand je vous demande d'abort, je répète 3 fois comme un mongolien, votre indicatif abort, votre indicatif abort, votre indicatif abort. Vous devez comprendre que vous arrêtez l'engagement. Voici un exemple de check-in. Ce qui est bien sur celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on a vraiment du coup les exemples qui sont précisés à côté. Donc on a en gros la première partie, donc c'est le call sign du JTAC, appelant. Donc JTAC ici, Heartless 52, ce que vous voulez. Le numéro de mission, alors là en fait c'est les anciens numéros de mission, maintenant ils sont toujours précédés de lettres. Mais sinon ce sont des numéros à 4 chiffres. Le nombre et le type d'avion, donc 2 F-18 dans l'exemple. La position et l'altitude, donc on est au nord de Ford pour 20 nautiques. On est actuellement bloc 20-21. Alors bloc, c'est en gros 20-21, ça veut dire que vous êtes entre 20 et 21 999 pieds.
Ordnance, donc l'armement, donc on a le gun à fond, full load of gun, une GBU 12, une GBU 38 par avion, les laser codes pour numéro donc 31, Rumble 31, 16, 88, 32, 17, 31. Et du coup, il nous dit également qu'il peut avoir le détonation, le fuse du coup, en détonation instantanée ou retardée pour les GBU 12 et les GBU 38. Playtime. Donc là, en gros, nous avons 25 minutes time on station. Alors, j'aime autant vous dire qu'il y a des avions qui vont flamber plus que d'autres. Pour les FA-18, votre playtime, en gros, ça dépend vraiment si jamais vous venez charger comme des porcs, ce que je vous déconseille. Si vous venez charger comme des mulets, vous allez avoir un playtime de 15 minutes et vous n'arriverez jamais à me balancer tout votre armement. Et par contre, les A-10, bah vous, votre playtime, en gros, je pense que je vais arriver à vous foutre Winchester avant que vous ayez plus de carburant. Capabilities. Donc, Capabilities, en gros, là, il va rajouter s'il est FAC et Capable. Donc ça, ce sera non pour vous tous. Pour l'instant, je ne vous connais pas. Sauf si jamais il y en a un d'entre vous qui me dit qu'il est formé FAC A, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à l'entendre. Et dans ce cas, je lui poserai 2-3 questions. En gros, FAC A, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est un contrôleur qui va permettre de décharger une partie du taf du JTAC. Donc, le type de sensor, donc autrement dit, va dire qu'il a un TGP, par exemple, ou un NATFLIR. Qu'il a sa ligne 16, qui est opérationnelle, les VDL codes ou autres, on s'en fout, CITREPS, on s'en fout, map version, machin truc, tout ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Abort code, du coup, c'est le pilote qui est censé du coup donner son abort, donc encore une fois, pour la mission de samedi, notez, pour vous, l'abort code, ce sera toujours in the clear. Il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas de code, c'est voilà, abort code, in the clear. Et vous avez du coup, ensuite, à la fin, un autre exemple à déchiffrer. Une fois que nous avons fait le check-in, vous allez rejoindre soit l'IP que je vous ai donné, je l'ai dit, soit le keyhole que je vous ai donné. Rappelez-vous, comment est-ce que je fais pour passer en arrière ? Hop. Rappelez-vous, hein, je vous ai soit donné un keyhole, soit vous avez déjà pré-briefé, donc déjà rentré des coordonnées de points de navigation pour avoir du coup certains IP. Je ne vous ai toujours pas expliqué ce que c'était, mais on en est là. Situation update et game plan, vous retenez ça très fort, on s'en branle. C'est du point de détail, c'est intéressant quand on fait une mission scénarisée. Là, l'objectif, c'est pas de faire une mission particulièrement scénarisée. L'objectif, c'est plus d'avoir un petit peu de fun et de commencer à mettre le pied à l'étrier. Ok ? Ça va nous faire gagner du temps. On rentre là dans le vif du sujet. On est toujours dans la lecture. On va parler du coup des nine lines et des remarks. Le nine line, le case brief en fait, puisque tout ça en fait c'est le case brief. Le case brief, c'est quelque chose que vous connaissez déjà dans DCS. Je suis quasiment sûr que vous le connaissez, vous l'avez probablement déjà pratiqué avec l'IA dans DCS. Et on peut dire ce qu'on veut, le check-in également. Le case brief en fait dans DCS, il n'est pas si dégueulasse que ça. Ça reprend exactement les mêmes, du coup, les mêmes informations que nous avons. Il y a juste un petit détail, encore une fois, mais bon, c'est pas très grave. Même reproche que je ferai à la vidéo de Doc, j'en parlerai après. En gros, la première chose, le JTAC, il va vous appeler et il va vous donner du coup un type de contrôle. Nous avons trois types de contrôle, comme vous pouvez le voir, ligne 1, type 1, 2 ou 3. Je résume. Type 1, le contrôleur va avoir le visuel sur vous-même et sur la cible en même temps, ou au moins sur la zone de la cible, de façon à être sûr et certain que vous, lorsque vous fassiez votre passe de bombe, vous n'allez pas être menaçant pour les alliés qui sont au sol. L'exemple type, c'est le gun strafe du A10 près des alliés, ni plus ni moins. Type 2. Le contrôleur n'a pas nécessairement besoin d'avoir visuel sur vous. Il n'a pas nécessairement besoin particulièrement d'avoir visuel sur la cible, en tout cas lui personnellement. Il y a un observateur qui peut très bien voir la cible, ça ne lui pose pas de problème. Et du coup, l'engagement peut être fait à distance. Le contrôleur, dans le type 1 ou le type 2, va être assez restrictif. D'accord ? Là, ce n'est pas la foire. En gros, il va vraiment vous donner des restrictions, il va essayer d'être le plus restrictif que possible. Le type 3, c'est le plus permissif, le plus libre,
Le contrôleur va vous filer des restrictions. Il va vous donner un temps d'action. Et pendant ce temps d'action, vous allez suivre les restrictions qui ont été indiquées et vous allez engager de façon totalement autonome. A l'inverse, pour le type 2 et le type 1, le contrôleur devra toujours vous donner la clairance d'engagement, le fameux « cleared hot ». Si le contrôleur ne vous donne pas ça, vous ne délivrez pas l'armement. Règle importante. Vous allez tous être très proactifs, vous allez tous avoir envie de bien faire, vous allez tous probablement me surcharger de com, me poser d'ailleurs des questions en live, ce sera aussi l'occasion. Mais s'il y a vraiment une règle à respecter, que je voudrais qu'on respecte, c'est celle-ci. En contrôle type 1 et type 2, pas de cleared hot, vous ne larguez pas d'armement. Ensuite, la deuxième phase, c'est le bomb on target ou le bomb on coordinate. Pour faire très simple, soit je veux en bomb on target que vous ayez d'une façon ou d'une autre visuel sur la cible que vous allez engager. Donc, je vais balancer une fumigène ou je vais vous filer les coordonnées de la cible. Vous allez les rentrer, vous allez faire ensuite un token pour être sûr que vous avez la bonne cible. Voilà, ça c'est, je ne rentre pas dans les détails, on verra quelques petits exemples après, mais ça en gros c'est le bomb on target. Le bonbon de coordonnées, je vais pas me faire chier. Je vais vous filer des coordonnées et je vais vous dire vas-y tape là. Point. Ensuite, pour le nine line, on répète l'intitulé de chaque ligne. Ça veut dire que moi, je vais répéter l'intitulé de chaque ligne. Je vais commencer, je vais pas dire ligne 1, je vais dire IP, tel truc. Heading, tel truc. Distance, tel truc. Target elevation, tel truc. Les Américains, encore une fois, qui ne font rien comme les autres, eux, ils se contentent en gros de juste balancer certains éléments. Ils donnent l'élévation et l'igresse. Et je crois que c'est tout. Après, le reste, ils s'en branlent complètement et ils ne donnent aucun élément. Donc en gros, ils donnent le nom de l'IP directement, ils te donnent un heading avec une distance, ils te filent l'élévation en te disant élévation quand même parce qu'ils sont un peu sympas. Nous, moi, je ne ferai pas ça. D'accord ? Ça fait pas partie du coup des procédures que l'on a, nous. Donc, moi, je vous dirais IP, tel truc, heading, tel truc, distance, tel truc, etc., etc. Pour ceux qui se poseraient ce que c'est que la question qu'un offset, vous ne vous posez pas la question. Vous renseignerez de votre côté, on s'en branle. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Non. On répète l'intitulé de Jacqueline. Le pilote, après avoir annoncé toutes les lignes ici, donc les 9 lines, le contrôleur va demander de read back les lignes 4, 6 et 8. Systématiquement. Ce sont les 4 lignes impératives à collationner. Dans le document US, ce collationnement, il n'est obligatoire que de read back les lignes 4 et 6, et elles sont lues après. Donc, je sais qu'il y a des différences, mais je vous demande de me faire confiance. On va bosser comme ça, samedi. De toute façon, encore une fois, c'est que de la lecture, et puis là, vous me suivez. C'est vous qui me suivez. Il y a des choses qui sont impératives à collationner. Les lignes 4, 6 et 8, c'est impératif à collationner. Donc, si vous voulez faire le minimum, vous notez le minimum, vous notez au minimum 4, 6 et 8. OK ? Remarks. Les remarks, principalement, en gros, ça va être tout ce qui va être menace potentielle, hazards, artillerie, artillerie amie, hein, bien évidemment, l'artillerie amie, on est rarement au courant de quand elle va nous tomber dessus. Le relief. Et trois éléments importants. Le final attack heading. À chaque fois que vous aurez une phase d'attaque, à chaque fois je vous donnerai un final attack heading. C'est-à-dire je vous dirai Tu pars de tel IP et je veux en gros que tu attaques dans telle direction. Imaginez en gros, si je vous dis que vous venez par le nord, je vous montrerai un exemple un petit peu plus tard, pour que vous l'ayez vraiment visuellement, mais déjà essayez de faire une image mentale de ce que je suis en train de raconter. Vous venez du nord. Je vais vous dire final attack heading 180 plus ou moins 20 degrés. Eh bien, ça veut dire en fait que vous pouvez venir directement sur la cible au 180, donc la cible elle est face à vous au 180, vous pouvez venir sur la cible au 200, vous pouvez venir sur la cible au 160, au 170, au 190, tout ça c'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas venir sur la cible au 130.
Vous avez pigé l'idée. Je peux aussi vous faire d'autres trucs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, ce sera ça. Je vous le dirai à chaque fois comme ça. Je vous donnerai un cap de fin et je vous dirai plus ou moins. Si je suis sympa, ce sera plus ou moins 60 degrés. Si je suis pas sympa, ce sera plus ou moins 15 degrés. Ce sera en fonction de mon humeur et surtout du trafic ambiant. Si jamais j'ai beaucoup d'avions, je vais vous restreindre vachement au niveau du final attack heading. Parce que c'est ça, encore une fois, l'intérêt, c'est de savoir par quel endroit je vais vous faire passer pour attaquer, de façon à ce que vous soyez parfaitement libre en élévation pour attaquer. Que vous puissiez, du coup, si vous voulez faire une attaque au Razmoth, pas de souci, vous pourrez. Et vous passerez, du coup, dans un couloir safe, sans avion, dans les parages. Engage time et engage type, ça ne fonctionne que pour le contrôle de type 3. Et ce sont deux choses à collationner impérativement. Ça aussi, le final attack heading, vous avez intérêt de me le collationner dans les remarks. C'est impératif à collationner. Engage time. En gros, ce truc-là, comme je vous l'ai dit, le type 3, c'est je vous donne votre zone d'action, je vous donne quelques restrictions, et ensuite vous vous démerdez. Mais par contre, je vais soit vous dire, je vais surtout vous dire pendant combien de temps vous engagez. Bon, par exemple, je peux très bien vous dire quelle heure il est. Il est 21h33 là à ma montre. Je peux très bien vous dire pour vous, engage time 21h35 à 21h45. Donc pendant 10 minutes, vous pouvez engager selon les restrictions que je vous ai données. Et enfin, engage type, c'est le type de cible que je vais vous voir engager. Donc si jamais je vous dis par exemple engage type MBT confirmé uniquement, ça veut dire que vous allez engager uniquement des blindés que vous aurez identifiés comme blindés. Vous n'engagez rien d'autre. As simple as this. Je vous embêterai pas trop avec le engage type, par contre je serai intransigeant sur le engage time. Okay. Et un dernier élément, le laser to target line. Lui il est indiqué du coup sur la fiche, je ne l'ai pas rajouté du coup dans les remarks, mais en fait il est indiqué dans la fiche que je vous ai donnée. Laser to target line, en gros, ils se sont rendus compte en fait que si jamais ils balançaient une GBU pile poil dans l'axe où le JTAC se trouvait, donc autrement dit l'avion passe au-dessus du JTAC et va pour bombarder la cible, et bien en fait la GBU parfois, plutôt que de capter le point laser où le marqueur en fait se trouve, et bien en fait elle allait faire demi-tour et elle allait pointer en fait vers le JTAC. Donc en gros l'idée derrière tout ça, c'est de mettre un offset de 20 degrés à gauche et à droite pour ne jamais passer au-dessus du JTAC qui fait son lasing. Pour éviter du coup que la GBU tombe sur le front de votre JTAC préféré. Donc le laser to target line, il est aussi à collationner. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare d'avoir un JTAC qui est fortement sympathique et qui vous laise la target. Ça veut dire en fait que le mec il est à poil et qu'il est en train de vous laise une target. Pas souvent, ça arrive. Je ne suis pas certain que je vous fasse du lasing, donc autrement dit que ce soit moi qui utilise mon pointeur laser pour vous trouver des cibles. Mais si jamais je le fais, je veux que vous me collationnez ça. De toute façon, je vous le ferai répéter si jamais vous ne me collationnez pas, ainsi que les autres points que j'ai annoncés. Une fois que tout cela est fait, vous allez donc passer aux readbacks. Donc, j'ai précisé, hazard. Alors les hazards, il n'y en aura pas. Mais comme concrètement, comme je vous l'ai dit, les hazards, c'est météo, c'est des pylônes électriques en basse altitude, ça va être voilà, tout genre de conneries. Laser to target line, LTL, et le engage time et le engage type. Ça, c'est le readbacks du coup des remarks que l'on a en fin du document. Correlation, token, que l'on peut aussi appeler le token. Donc l'idée en fait derrière tout ça, c'est de s'assurer que vous avez la bonne cible. Ça ne fonctionne que pour du type 1 et du type 2, puisque comme je vous l'ai dit, pour le type 3, je vous laisse plutôt autonome. Je vous donne des restrictions et après, faites votre vie. Alors, c'est compliqué, hein, de parler du token comme ça. Donc ça, on verra le token quand je ferai des exemples un petit peu plus tard, quand on aura des choses un peu plus virtuelles face à nous, enfin, des choses un peu plus visuelles. Ce fameux token, cette corrélation, j'ai deux solutions. Soit je vous l'envoie à la fin dans les remarks, soit je vous la file directement au début, au moment du casse-brief. Revenons un petit peu en arrière. Souvenez-vous, la toute première chose que je vous donne, c'est machin truc, ici ton JTAC préféré, contrôle type 1 ou 2, d'accord ?
Bomb on Target, rappel prêt à copier le token. Et là, en fait, concrètement, je vais déjà commencer par vous filer un token. Donc, je vais déjà vous dire, OK, tu as visuel sur le Point Echo. OK, affirmatif, contact Point Echo. OK, très bien. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ? Je vois, par rapport au Point Echo, je vois donc le carrefour de rue qui est le Point Echo, et je vois du coup la rue à l'est qui continue sur la ville. OK, parfait. Tu continues sur la route à l'est. En entrée de ville, il y a des véhicules qui sont stationnés en bordure du coup de route. Ok, j'ai tali sur les véhicules. Bon, autrement dit, la visuelle, enfin, il a vu sur les cibles style. Ok, ce sont du coup tes targets. Et à partir de là, on reprend la landline, une fois qu'il a bien confirmé du coup qu'il avait tali sur les targets, qu'il avait bien compris que c'était ça qu'il avait engagé. Et je vais pouvoir vous dire IP, machin truc, IP on s'en fout. Heading, per token. Distance, per token. Target elevation, per token. Target description, c'est des blindés en bordure de ville. Target location, per token. Ça veut dire en fait que vous avez déjà identifié visuellement la cible, vous savez ce que vous allez attaquer. Donc vous n'avez pas besoin que je vous file des coordonnées précises et tout le reste. Donc voilà en fait l'intérêt de vous filer le token et faire la corrélation avant. Revenons dans le futur. Peut-être indiqué lors du casse-brief, comme je viens de vous le dire. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'IP sera systématiquement donné. Et ensuite, je vous donne les éléments de la nine-line. Donc, le heading par rapport au token, distance par rapport au token, elevation par rapport au token, le target, ce sera la target que je vous aurai désignée, coordonnée par rapport au token. Et ensuite, on continue la nine-line comme indiqué. Pourquoi est-ce qu'on fait une corrélation ? Souvenez-vous, l'objectif du CAS, vous avez des cibles ennemies, vous avez des amis. Vous ne voulez pas que, en tant que pilote, vous ne voulez pas balancer de bombe sur des alliés. Ça, c'est non. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un peu des fous de la gâchette dans DCS, mais là, c'est non. C'est non de non. Le rôle du JTAC, c'est de faire en sorte que vous compreniez ce que vous devez attaquer. Et c'est aussi de faire en sorte que je sois sûr que vous ayez compris ce que vous allez attaquer. Parce qu'il faudra, du coup, que vous fassiez la distinction entre les alliés et les ennemis sur le champ de bataille. Donc, on fera une corrélation. Attaque. Là, c'est plus ou moins votre job. Là, c'est fin de la lecture, parce que tout ça, tout ce qui se passe avant, en gros, c'est moi qui parle. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de tout apprendre par cœur, puisque c'est moi qui vais initier la conversation. Pendant la phase d'attaque, rôle inversé. C'est vous qui allez initier la phase du coup, d'attaque. Donc là, je voudrais que vous soyez très attentifs. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de sortir des notes. En gros, l'idée derrière tout ça, c'est de savoir comment vous allez faire votre attaque. Donc la première chose, c'est si jamais ce n'est pas moi qui le fais, parce que je peux très bien vous demander en gros à toute la patrouille d'attaquer des cibles, d'accord ? Je peux très bien vous dire, voilà, il y a trois blindés qui sont au milieu de la verte, allez-y, fumez-les. Et je dis ça à votre patrouille. Concrètement, c'est ça, hein, ni plus ou moins, la 9-9. Vous me les avez trouvés, très bien, c'est eux, allez-y, fumez-les. Ben là, concrètement, c'est vous qui êtes, c'est le leader de patrouille qui est totalement autonome pour savoir comment il va s'organiser. Donc, qui va attaquer, qui n'attaque pas, qui refait les réengagements, quel armement on utilise si jamais je ne vous donne pas de restrictions, etc., etc. J'ai oublié de parler de ça aussi, qu'il y a une restriction d'armement à placer. Je vous en parlerai après. C'est un truc de pilote, ça ne me concerne pas. Effectivement, là, en gros, c'est vous qui allez être à l'initiative. Et néanmoins, il y a quand même quatre points à noter. C'est les quatre points minimum que je vous ai mis ici. Une fois que je vous ai filé la nine-line, une fois que vous avez fait tout votre collationnement, la première chose à annoncer au contrôleur, c'est que vous quittez l'IP. De toute façon, je vous le dirai en fait. Je vous dirai report leaving IP. Ça veut dire que vous quittez l'IP pour. C'est pas pour aller aux champignons, hein, c'est pour attaquer. Donc, je vous annoncerai du coup report leaving IP. Est-ce que tu auras possibilité, excuse-moi, est-ce que tu auras possibilité quand même de franciser un maximum les choses pour les pilotes qui sont pas très à l'aise avec la langue anglaise ? Je sais que tu vas avoir des réflexes de parler anglais. C'est pas impossible. Donc les pilotes, faudra pas hésiter peut-être à, si vous comprenez pas, à demander. Ce que je vous invite à faire, effectivement, c'est une bonne remarque, ce que je vous invite à faire, c'est si jamais il y a trop d'anglicisme à la fin de cette présentation, vous me le direz et j'essaierai d'en prendre compte. Ok. Si vous me dites,
Attends, si vous me dites, après tout, de toute façon, Living AP, bah, que ce soit en anglais ou en français, on sait ce que c'est, et basta, bah voilà, ok, au moins je saurai. Vas-y, pose ta question. Samedi soir, ce sera en anglais ou pas, du coup? Non, ce sera un mix. Living AP, Tipping In, tu vois, c'est des choses que je peux pas vraiment franciser. Ouais, forcément. Mais après, non, pour le reste, je vous donnerai des niveaux de vol en français, je vous donnerai du coup des instructions. Le token, je vais certainement pas vous le faire en anglais quand même, je vous épargne. Mais non. Ok. C'est bien pris. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, tipping in. En gros, vous pouvez très bien enchaîner ou ne pas enchaîner. Mais concrètement, en fait, lorsque vous quittez l'IP, tipping in, ça veut dire en fait que vous êtes en train de vous diriger vers la cible. Vous êtes en train d'aligner le nez de l'avion vers la cible. Là, en gros, on est peu de temps avant d'engager. Et lorsque vous m'annoncez le in out, vous me répétez votre heading, le cap, pour que je sois sûr et certain que votre cap soit bien celui que je vous ai filé, souvenez-vous, dans le final attack heading, où vous êtes censé m'avoir collationné. Donc évitez de mytho, s'il vous plaît. Si vous avez fait une boulette, bah, c'est pas grave, faites une boulette. Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Mais en tout cas, voilà, vous me dites que vous arrivez in hot et le heading. In hot, c'est quelques secondes avant de larguer de l'armement. Par exemple, vous pouvez très bien être en F-18, être au niveau 400, donc être à Babelwed-les-Bains à une dizaine ou une vingtaine de nautiques avant d'engager. Si vous m'annoncez in-hot quand vous êtes droit sur la cible et que vous sortez à peine de votre virage, en gros, vous allez me larguer la bombe deux minutes après m'avoir annoncé le in-hot. Non, le in-hot, c'est très peu de temps, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes avant de larguer l'armement. Ok ? Et ensuite, moi, je vous réponds, du coup, le fameux « cleared out ». Ou sinon, je vous réponds que dalle. Si vous avez fait une boulette, au niveau, du coup, de votre final attack heading, si vous avez fait une boulette, eh ben, c'est pas grave, vous m'annoncez un « off dry », ça veut dire, en fait, que vous vous barrez sans engager, d'accord ? Vous annoncez la direction que vous avez prise. Et moi, ensuite, soit je vais vous dire « ok, très bien, continue, rappelle-moi à l'IP », ou je te dirai « ok, ben, c'est pas grave, t'as fait une boulette, tant pis, on a du temps, tu reviens et tu réengages ». Et cette fois-ci, tu ne plantes pas. Je ne le préciserai pas, mais je le penserai très fort. Voilà les mots, du coup, que vous allez avoir à prononcer. Et ce sont des mots qui sont en partie à votre initiative. Si je me rends compte, ça peut arriver, une faute d'inattention ou une erreur de communication malgré tous les readbacks que l'on fait, que votre final attack heading n'est pas le bon. Je vous annoncerai un abort. Tout simplement. Donc là, c'est moi qui reprends l'initiative et je te dis en gros, ouais, dégage, ce que tu fais, ça me plaît pas. As simple as this. Continuons. Pour la phase d'attaque, la suite. D'autres termes de phraséologie qui seront à utiliser. Le premier, le fameux laser on. Donc là, en gros, le pilote demande à ce que un autre pilote, à ce que un JTAC, du coup, allume le laser. Spot signifie que le pilote, l'armement présent dans l'avion, a capté le laser. Alors ça ne marche pas pour les bombes. Vous ne pouvez pas savoir que votre bombe elle a capté le laser. Par contre, ça marche pour les AGM 65 ECO et d'autres types d'AGM qui ont le même mode de fonctionnement, un fonctionnement laser. Vous activez votre Maverick, le Maverick se met à chercher le pointeur laser, il trouve le pointeur laser, vous avez l'indication dans votre cockpit que le pointeur laser a trouvé quelque chose, vous annoncez « spot ». Mon armement a bien capté de la bonne cible. Si vous balancez une GBU au-dessus de la cible, vous avez deux solutions. Soit vous êtes dans un avion qui a la capacité de pouvoir dire à quel moment l'impact, la bombe, va toucher le sol, soit vous n'avez pas cette capacité, et tant pis pour vous. Si vous avez cette capacité, vous allez annoncer à 12 secondes, vous ne l'annoncez pas à 10, hein, vous l'annoncez à 12 secondes, vous annoncez 10 seconds. Ou 10 secondes, si vous le faites en français, je vous en tiendrai par rigueur. L'intérêt en fait de m'annoncer ça, ça veut dire que 10 secondes avant l'impact, si j'utilise un pointeur laser ou si jamais un autre pilote utilise un pointeur laser, il sait à ce moment-là qu'il doit utiliser son laser. Il doit allumer son laser pour guider la GBU. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous emmerde avec ça? Les TGP ont une durée de chauffe, en fait, de vie. Si vous utilisez votre laser pendant trop longtemps, vous allez les cramer. Pour les Hornets, c'est assez difficile parce qu'il faut rester appuyé sur la détente et c'est relativement relou du coup d'allumer son laser constamment.
Mais sur d'autres avions, en fait, on a la possibilité d'allumer le laser constamment. Et du coup, vous allez les cramer. L'idée derrière tout ça, en fait, et IRL aussi, c'est aussi pour éviter de gaspiller les batteries parce que ça bouffe énormément. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est d'utiliser le laser au dernier moment, de façon à ce que la bombe soit quand même guidée et qu'elle puisse impacter la cible. OK ? Dans le même cas, que ce soit laser on ou que ce soit, laser on et 10 seconds, la réponse, du coup, au moment où la personne active son laser, ce sera tout simplement lasing. J'allume mon laser. Continuons. Élément de phraseo. Blind ou visual. J'ai visuel sur l'ami, je n'ai pas visuel sur l'ami. Contact. J'ai visuel sur le point remarquable indiqué. Tally, no joy. J'ai ou je n'ai pas visuel sur l'ennemi. Hein, bien la différence entre ami et ennemi. Rien qu'en phraseo, rien qu'en quelques mots, on sait tout de suite de quoi on parle. Capture. J'ai mon TGP, pour ceux qui en seront équipés. Mon TGP a bien verrouillé la cible, il est bloqué sur la cible et je peux m'occuper de la suivre. Parce que c'est ça aussi, les cibles parfois ne sont pas statiques. Donc quand on annonce capture, ça veut dire que putain, on est en mesure de pouvoir suivre la cible même si cette saloperie se met à bouger. Assessment of effect. L'idée derrière ça, c'est donc le JTAC va vous informer en fait si la passe de bombe, la passe de canon ou ce qu'on veut est positive ou négative, a bien fonctionné, n'a pas fonctionné. D'accord ? On n'est pas encore au BDA. Hein. Pour l'instant, on est juste à avoir soulevé un tas de poussière et on sait du coup que le tas de poussière qui a été retourné, il est sur la cible, il n'est pas sur la cible, il est à droite, il est à gauche, etc. etc. C'est ça, l'assessment. OK ? Si l'assessment of effect ne plaît pas au JTAC, vous venez de faire votre passe canon, par exemple, le JTAC vous demande de faire une passe canon en bordure. Il y a de l'infanterie retranchée du coup en forêt, en bordure de forêt. Vous demandez du coup, enfin votre JTAC du coup vous demande de faire une passe canon. Faites votre passe canon. Pour une raison ou une autre, vous la foirez. Et bien le JTAC du coup il va vous dire OK, tu réengages tout de suite et tu me refais la même chose, même axe, mais par contre tu prends 50 mètres plus vers l'ouest, vers le nord ou ce que tu veux. Vous revenez, vous recommencez votre passe en suivant les instructions du JTAC. Voilà du coup ce que c'est que l'assessment of effect. Et le BDA. Le BDA en type 1 et 2, souvenez-vous, c'est le JTAC ou un observateur qui a visuel sur la cible. Donc, le JTAC va annoncer ce qui a été détruit. C'est lui qui fait le BDA. Par contre, quand vous êtes en type 3, souvenez-vous, en type 3, le JTAC il vous a dit « Ok, grand, voilà tes restrictions, voilà tes cibles, de telle heure à telle heure, tu te démerdes. Ben, » c'est bon, il est 49, ça fait 4 minutes maintenant que j'ai fini. Donc je vais pouvoir passer mon BDA, c'est moi du coup qui ai détruit mes cibles en tant que pilote. Donc je passe le BDA au contrôleur, au JTAC. Et je lui dis du coup mes réussites ou mes échecs. Donc en gros, type 1 et 2, le BDA, c'est moi qui serai proactif, c'est moi qui vous le dirai. Type 3, c'est à vous de me faire un BDA. Fin de cette présentation. Et l'acronyme BDA. Battle Damage Assessment. Yes. Donc en gros, vous avez l'assessment of effect, qui est du coup, on vérifie l'effet de la bombe. Et en fait, en gros, une fois que la poussière est retombée, le JTAC ou le pilote du coup va vérifier en fait ce qui s'est passé. Si la cible est considérée comme détruite, on voit hein, du coup la cible elle crame ou ceci ou cela, bah ok, on la considère comme détruite. Vous voyez en fait l'idée ? Ok, très bien. Fin de ma présentation, il n'y aura rien de plus. Une fois qu'on a terminé le BDA, le contrôleur normalement dans la nanline, il vous a donné une instruction en ligne numéro 9, il vous aura dit à quel endroit vous retrouvez. Et bien du coup, vous retournez à votre point d'attente et ensuite on recommence. Nouvelle nine-line. Ou même nine-line avec quelques petites modifications. OK. Donc le taf de JTAC, c'est 90% de parlot, 9% sur la map et 1% à regarder dans la jumelle.
Donc j'aime autant vous dire que si vous n'aimez pas parler, Jutax n'est pas nécessairement fait pour vous. Parce qu'en fait, ce n'est que ça. Ce n'est que de la com, que de la com, que de la com, de la com. Ok ? Se faire une représentation mentale de qui et où et quoi. Ensuite, on prépare sur ces petits papiers les différentes timelines et ensuite on envoie. Very well. Est-ce que vous avez du coup des questions sur tout ce que je vous ai dit ? Parce que j'imagine que peut-être que je n'ai pas été clair. Alors, histoire de repréciser, c'est vrai que je ne l'ai pas fait en introduction. Cette présentation, merci en tout cas Photon. Enfin, pour moi, c'était assez clair, mais il y a sans doute des points où tu as peut-être été un peu vite ou pas assez. Enfin, voilà, ça dépend des uns et des autres. Mais le but de cette présentation, c'était essentiellement de nous préparer à la mission qu'on pourrait faire samedi soir en présence de plusieurs contrôleurs, dont un JTAC qui sera assuré par toi, Photon. Donc les pilotes, parce que j'ai eu quelques questions pendant ta présentation, les pilotes samedi soir, il y aura beaucoup de casses, c'est-à-dire des attaques à proximité de cibles alliées, mais il y aura aussi d'autres possibilités qu'il y ait d'autres actions autour, hein. Il faudra de toute façon qu'il y ait de la cape, etc. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que tu fourniras des documents, la 999, le casse-brief ou des trucs comme ça, ou il faut qu'on... Je vous invite à regarder tout de suite sur Google. Vous tapez check-in. Check-in CAS, d'accord. Donc, hop, on met la présentation. Check-in. Voilà. Vous tapez Closer Support Check-in Briefing. Vous allez tomber là-dessus. Il n'y a rien de plus à avoir. Et on s'en branle. Vous pouvez aussi en prendre un copie écran, ça. Je vous invite à le faire. Et sinon, vous tapez Closer Support Briefing Form. Et vous allez avoir ça. Sinon, vous faites comme moi. Vous prenez un bout de papier. Sur ce bout de papier, vous mettez en fait tout simplement une colonne. La colonne où il y aura le plus de choses à écrire, ce sont les coordonnées. Donc en gros, ce que vous faites, en bordure gauche de votre papier, j'aurais dû vous prendre une photo de ce que je fais d'habitude. En gros, j'essaie de vous faire une représentation mentale de ce que je fais. En bordure gauche du kneeboard. Du kneeboard, en fait, du papier. Vous mettez type de contrôle, vous mettez type, vous mettez contrôle. Enfin, vous mettez type ou vous mettez. Vous mettez type, vous mettez contrôle. Ensuite, vous mettez IP, heading, distance, élévation, description, coordonnées ou location. Marquage, ami ou friendly, IRS, et ensuite vous mettez du coup les remarks dont je vous ai parlé, donc il y a au moins le LTL, laser to target line, final attack heading, engage time et engage type, et une fois que vous avez mis tout ça, vous n'avez plus qu'à mettre des colonnes sur la droite de votre bout de papier. Et du coup vous saurez, votre première landline, ce sera ça, et vous aurez du coup juste à remplir votre colonne. Et en gros, sur votre papier, vous arrivez à enchaîner, je crois peut-être, 4 ou 5 mainlines sur un seul bout de papier. Plutôt que d'imprimer cette saloperie là de Closer Support Brief, qui vous fait, sauf si vous êtes en manque de PQ, ça va pas vous servir à grand-chose. Quoi. Le système D est 100 fois mieux que ce truc-là, concrètement. Je vous prendrai en photo ce que je fais. Avec mon téléphone, et je vous montrerai en gros à quoi ça ressemble. Donc il y aura de la 10A, de la 10C, du FA18, essentiellement. Alors, tout me convient. Tout me convient, même du SU25T s'ils veulent, tout me convient. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas surabuser au niveau matériel que vous emportez. Et là, je vise absolument pas les A10, les SU-25T. Hein. mais ça vaut aussi pour les F-16 ou pour les Hornet. En fait, ce que je voudrais, c'est deux choses. Je voudrais, un, si possible, que certains d'entre vous qui s'en sentent la capacité se mettent en patrouille. Ceux qui ne s'en sentent pas la capacité ou qui ont envie de faire le truc seul dans leur coin, vous pouvez tout à fait être tout seul. Ce que je voudrais,
c'est que vous ne passiez pas la soirée avec moi. Parce que si vous passiez la soirée avec moi, vous êtes combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais avoir 10 pilotes sur une zone de 50 km de rayon à taper des cibles au sol qui vont se faire maltraiter en 2 secondes. Donc en gros, je voudrais que vous veniez une fois me voir, que l'on fasse peut-être 3 petits casse-briefs vite fait, et ensuite fin pour vous. Vous rentrez chez vous. Ce que je voudrais, c'est que vous ne veniez pas tous en même temps. Donc à 21h tapante, vous soyez tous là pour venir me harceler et que je me retrouve en gros à 22h avec plus personne. Ce qu'on pourra faire, c'est que pour te soulager en tant que JTAC, il y aura aussi, alors on avait prévu d'en discuter vite fait, bon, on n'a pas trop le temps, un AFAC. Donc du coup, ok, ça marche. Mais voilà, ça permettra justement de te soulager et d'occuper les pilotes qui sont en air sol. C'est plutôt une très bonne idée. En gros, ce qui serait bien, c'est que j'ai pas plus de 3 patrouilles en même temps. Pour vous situer un petit peu l'idée. Bah, de toute façon, si jamais. Limite, c'est la fac qui, dans ce cas, pourras communiquer avec la fac pour dire bon, c'est bon, tu peux m'en envoyer ou j'en ai trop. Exactement. Enfin, Exactement. Et puis, au pire du pire du pire, si jamais vous venez de toute façon à 5 patrouilles, j'en ferai attendre sur les contact points. Tant qu'ils auront du carburant, ça ne me dérangera pas. Ne vous attendez pas aussi à détruire que des cibles au sol. D'accord ? Je vais essayer de vous faire des petits scénarios qu'on fait rarement du coup dans DCS. Vous allez bombarder des trucs que vous ne verrez probablement pas. Parce que l'infanterie retranchée dans les bâtiments, dans l'avion, on ne les voit pas. Mais par exemple, voilà, ça va être une idée du coup de choses à faire. Ok ? Très bien. Et du coup, je vous réécoute si vous avez des questions ou des remarques. Du coup, alors déjà, j'aimerais savoir, là, à la volée, s'il y en a que les anglicismes divers et variés que nous avons posent problème. Sachant que, comme je l'ai dit, les anglicismes, ils sont très peu. Ce n'est que du briefty. Vous apprenez le sens à quoi ça correspond et c'est fini. Il n'y aura pas de nouveauté, je ne vous parlerai pas en anglais, je vous dirai pas elevation 4, 6, 7, 8 feet. Non, je serai quand même sympa. Voilà, les coordonnées, même chose, je ne vous les donnerai pas en anglais non plus, donc voilà. Dites-moi si jamais ça vous pose problème. Soyez franc, hein, parce qu'il faut me le dire maintenant. Tout le monde dort. Non, c'est bon pour moi. Juste le temps que ça. Ouais, il y a pas mal de choses à intégrer et je pense qu'il y a peut-être des surprises pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de Doc ou qui ne s'étaient pas trop intéressés avant sur l'émission CAS. Je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de surprises. Je ne sais pas si vous attendiez vraiment à ça, mais c'est quand même. Les attaques du type CAS, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de parlotes parce que c'est très dangereux à cause des friendly. À la différence des missions Strike, Seed, Dead, etc. Où là, bon bah, on balance, il n'y a pas trop. Exactement. C'est un point essentiel. Quand vous êtes en fait en mission CAS, vous venez en fait pour permettre d'assister les troupes au sol. C'est ce dont je n'ai pas parlé dans le truc en fait. On s'en branle. Bah, au final, on s'en branle pas tant que ça. Dans la fameuse partie, on s'en branle. C'est le fameux game plan. Le game plan, en fait, c'est ce qui va permettre de mettre du sens derrière votre action. Un exemple de game plan du coup que j'avais fait lors d'un de mes exercices. Concrètement, ça va être du coup de dire voilà, on a une compagnie d'infanterie mécanisée qui se trouve à tel endroit. Nous avons l'ennemi du coup qui est organisé avec par exemple une compagnie d'infanterie motorisée, avec un régiment du coup de défense antiaérienne, ceci, cela. Les intentions du coup du GFC, du Grand Force Commander, c'est de pouvoir dégager un maximum les troupes de soutien et les accès aux abords de la ville pour permettre à nos forces de pouvoir établir une première prise des bâtiments en bordure de la ville de notre côté. Ça, c'est le game plan. Ça met du sens sur ce que vous faites. Le game plan, on s'en branle. Vous considérez juste que vous venez pour taper des trucs. Vous n'allez pas en taper beaucoup. Comme l'a dit à juste titre Mage, les A10, si vous venez avec 8 GBU, 3 pods roquettes, 6 AGM,
Et votre full load of gun, j'aime autant vous dire que vous allez vous faire chier. Et vous allez être très lourd pour pas grand-chose. En gros, je vous invite à regarder les missions de casse. En gros, les pilotes, ils viennent très light. De toute façon, les pilotes sont souvent très light. Hein. C'est-à-dire que dans des CS, on se charge comme des mulets. Mais concrètement, ça va être pour un A10, par exemple, deux Mavericks, deux bombes et le canon. Pareil, ceux qui aiment le challenge, et ceux du coup, si jamais je suis vraiment motivé et que je reste tard, posez-moi la question, et on pourrait faire éventuellement, à part pour ceux qui sont déjà en A10A et qui n'ont pas de TGP, mais vous pouvez aussi revenir sans TGP. D'accord ? Pour ceux qui aiment le challenge. Vous venez une fois avec le TGP, vous venez une fois sans TGP. Sans TGP et donc sans armement guidé. Question ? Bien sûr, vas-y. Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'on arrive au début de la mission, donc en A10, on fait nos frappes sur notre mission, on va atterrir, et de repartir ensuite en DB pour faire la cape? Ah bah oui, tout interdit. À fait. Formellement interdit. Absolument pas, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il nous faudra de la cape, il nous faudra de la cape. Il nous faudra de la cape. Théoriquement, j'ai repoussé les spawns et les zones de cape beaucoup plus au nord, mais il n'est pas improbable, du coup, qu'ils viennent quand même nous faire chier. Okay. Donc on va avoir effectivement des chasseurs qui seront là pour couvrir votre fion. Et donc, il est aussi fortement conseillé aux gens qui s'habillent bien et qui pilotent des FA-18 de venir éventuellement faire un peu de casse et ensuite du coup partir en R ou l'inverse. Du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est possible par exemple qu'avec un mirage, j'emporte des GBU en même temps que mon armement pour la cape ? Que je largue mes GBU et ensuite je pars directement faire la cape. Si ça peut te faire plaisir et si jamais t'as pas passé trois plombes avec ton A10 avant avec moi, ça me posera pas de problème. En gros, la seule chose que je veux, c'est entre guillemets partager les jouets et permettre qu'il y ait un petit peu à manger avec tout le monde. Si tu reviens après et que t'as des GBU à balancer, on trouvera forcément un truc à faire avec tes GBU. Alors sur le Mirage, a priori, on peut pas avoir des 530D et des GBU. Enfin, on peut les emporter, mais il y en aura un des deux qui marchera pas. Ah oui. À savoir, il y a un truc qui ne va pas partir. Point important. Mm-hmm. Point intéressant. Bon, d'accord, je partirai. Sinon, j'ai une petite question. J'ai peut-être une petite réponse. Oui, moi, je joue en VR. Et du coup, c'est très difficile de prendre des notes. Est-ce que c'est gérable de faire du casse ou pas, sans prendre de notes? Ça va être chaud. C'était chaud, hein, ouais. Alors, t'as Scratchpad qui peut peut-être t'aider. Non, bah, je vais enlever le casque et prendre des notes sur les genoux. C'est exactement ce que je te conseille. Je te conseille en fait sur ce moment précis, à ce moment précis, lorsqu'il y a uniquement les notes à prendre, effectivement, il n'y a pas 36 notes à prendre non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme la quantité de notes, et surtout, c'est fait sur un court temps. Je ne sais pas quel avion tu prends. C'est du 2000 a priori. Du 2000. Alors, autant dire, avec les autopilotes du 2000, tu peux effectivement être tranquille, faire ton cercle en autopilote et continuer du coup de papoter avec moi et que je te file les infos. Ok. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le point écho ? Oui, bien sûr. Je vais faire les démonstrations après, hein. C'est toujours pas fini. Ah. Pour l'instant, on fait les questions. Ah ouais, d'accord. Mais dis-moi. Je n'ai pas compris. On a le point écho au centre, on est d'accord ? Ouais. Et les initial points, ils sont définis durant le briefing ou c'est au moment durant la mission? Deux choses différentes. Tu vas avoir des IP, donc des initial points qui seront définis au briefing. Je vous ai pas oublié là-dessus. Hein. Je sais que je vous ai dit que je vous ai hype en vous disant que c'est super important et que j'en ai pas parlé. Je veux juste en fait ne pas vous en parler parce que si jamais je vous en parle de façon abstraite, ça n'a pas de sens. Mais en gros, vous allez avoir à la fois des IP qui sont définis au briefing et vous allez aussi avoir des IP qui peuvent être définis via le keyhole. Par exemple, si jamais je te dis d'attendre au relèvement 240 pour 8, et si donc là tu attends en fait, tu fais ton cercle légèrement dans le secteur du coup sud-ouest au-delà de 8 nautiques, d'accord ? Et si je te dis ton IP c'est Charlie 10, et ben en fait ça veut dire que tu vas devoir redescendre un petit peu au sud probablement, pour ensuite revenir par le sud en direction du nord et passer au-dessus du coup de Charlie 10, donc plein sud du point pour 10 nautiques.
Tu vois la différence? C'est à la fois le keyhole, ça peut à la fois vous donner un endroit d'attente, mais ça peut aussi vous donner des IP. Des points, du coup, sur lesquels vous allez systématiquement passer avant d'attaquer. D'accord. Pas d'autres questions? Le briefing, tu comptes le mettre en textuel lors du lancement? Ouais, d'accord. Ouais, je vais vous mettre un petit briefing, vite fait, il n'y aura pas de contexte, je vous mettrai en gros juste les points importants, et j'essaierai en fait aussi de mettre je mettrai des heures en fait à laquelle vous souhaitez participer, et je vous demanderai en gros d'essayer de vous inscrire et puis de respecter en fait l'heure à laquelle vous souhaitez venir, comme ça au moins je saurai que bah, voilà, de telle heure à telle heure il y aura tant de personnes, de telle heure à telle heure, il y en aura tant d'autres, et de telle heure à telle heure, il y en aura tant d'autres. En gros, je vais faire ça sur 3 heures, hein, donc voilà, il y a largement de quoi faire. D'ailleurs, tu pourras peut-être commencer à prendre les inscriptions à l'issue, là, ce soir. Ouais, tout à fait. Si ça, vu qu'on a tout le monde sous la main. Alors, on va dégager du coup ma diapo. Oui. Ouais, ma question c'est si les gens sont morts depuis 2006, tu nous annonces les altitudes comment? En bloc? Flat level. D'accord. Exactement. L'altitude des alliés, c'est soit bloc, soit flat level. L'altitude des ennemis, c'est en altitude directement, en milliers de pieds uniquement. Ok. C'est une bonne question. Pour le casse? Ou ça s'applique aussi pour le WOX? Ça s'applique pour le CAS et ça s'applique pour le WOX aussi. Ça s'applique en gros pour du RR ou pour du... Bah, mais, bien évidemment... Donc alors, même au-delà des 15 000 pieds. Je sais pas, à 30 000 pieds, tu vas dire 30 000 pieds, tu vas pas dire niveau 300 quoi. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si je parle du coup d'un avion allié, si je parle d'un avion allié, je vais dire, en gros, tant qu'il est soumis au QNH ou au Fox Echo, alors ceux qui ne bitent rien du coup à tout ce que je raconte, vous en foutez complètement. Là, c'est du détail technique. Mais soit, en gros, tu parles au QNH ou au Fox Echo, tu vas parler en milliers de pieds. Quand il est au niveau de vol, tu parles en niveau de vol. Avion allié. Avion ennemi, c'est systématiquement en milliers de pieds. Donc, si jamais tu as un avion ennemi qui est à 14 700 pieds, tu vas dire il est à 14 000. Ok. J'avais une question aussi sur l'event. Juste, est-ce que ce sera le seul ou est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être? Non, il y en aura d'autres. Ok, merci. Faudra voir les... Disons que celui-là, ça va être sans doute un coup d'essai pour voir est-ce qu'il faut... Est-ce que le niveau est bien au niveau difficulté? Est-ce que le scénario est intéressant, etc. Et puis l'adapter un petit peu en fonction à l'issue de cette soirée et la reproposer. Alors, vous en faites pas pour le scénario, il y en a presque pas. En gros, je vais juste... vous allez juste taper des trucs au sol, même si dans ma tête, il y a un scénario qui est un peu préfait pour façon à construire quelque chose. Mais en gros, vous allez juste taper les trucs au sol. Vous me direz si jamais ça vous manque. Et dans ce cas, on reverra ou je vous inviterai à regarder la vidéo de Doc qui explique du coup les deux éléments dont je n'ai pas parlé dans la vidéo. Fonctionne toujours ça? Attends, je suis sûr. Attendez, parce que je suis en train de stream quelque chose qui me convient plus là. Écran DCS, est-ce que ça fonctionne si je fais ça passer en direct? Est-ce que vous voyez mon magnifique DCS qui tourne? Il n'y a pas. Enfin, un écran noir. Parfait, avec ouais. DCS, voilà, c'est bon. Ok, nickel. Alors, que je vous explique un petit peu. Tu poursuives? Vas-y. Ah oui, c'est le moment. C'était par rapport au type 3, là, quand tu as les engage time et engage type. Yes. On peut cumuler les deux ou pas? Ah, carrément, ça se cumule carrément. Ah, d'accord. Je vais essayer de vous donner du coup quelques exemples en fait pour comprendre un petit peu ce dont on parle. Imaginons que nous avons comme objectif d'attaquer là en gros la ville du coup de Al Ain. Ville de Al Ain, nos forces alliées, tiens allez hop, on va venir de par ici. Nos forces alliées sont retranchées du coup dans les bâtiments qui sont situés du coup en périphérie. Donc on a déjà réussi à s'insérer du coup jusqu'ici, mais on sait d'avance que ça va commencer à être merdique pour rentrer. Il y a bien évidemment de l'infanterie qui est retranchée dans les bâtiments, il y a des véhicules blindés par-ci par-là, on s'en fout, sur jeune pick-up c'est très bien comme véhicule blindé. Donc on a nos fameux véhicules qui sont stationnés par-ci par-là, et on a
là, un JTAC qui supervise tout ça. L'objectif du JTAC, ça va être en corrélation avec le GFC de donner une stratégie, de dire « Ok, pour pouvoir passer ici, pour pouvoir rentrer dans Al-Ain, il va falloir que l'on fasse quelque chose, un truc spécifique, que l'on détruise par exemple les blindés avoisinants dans le secteur. Il va falloir qu'on puisse par exemple bombarder les bâtiments qui sont confirmés comme étant comme abritant des soldats hostiles, etc. etc. » Parce que bien évidemment, pour ceux qui connaissent, lorsque l'infanterie prend un bâtiment, elle ne se contente pas juste d'attendre les mecs au dernier moment. Ils ont tendance à monter des armes lourdes, des ATGM, parfois des mortiers ou ce genre de merde. C'est très bien, mais ça passe pas inaperçu. Et du coup, c'est le taf du coup du JTAC de pouvoir détruire ce genre de truc. Voilà en gros pourquoi est-ce que vous allez taper sur des bâtiments aussi samedi. Comment ça va s'articuler ? Au briefing, je vais vous donner du coup des IP, points initiales. Voilà. Donc vous allez avoir du coup des points initiaux qui seront indiqués. Voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Je vais pas me faire chier, ils vont tous s'appeler Adder, mais bon, peu importe. Bon, je peux aussi les voilà, on peut aussi les renommer. On peut les renommer. Banks, Chevy. Vous aurez le contact point, c'est-à-dire le point où vous allez venir me contacter. Bon, vous êtes en avion. Et vous avez du coup votre contact point, le point où vous allez dire me contacter. Tout ça, le point Adder, le point Banks, le point Chevy, le contact point, ce sont des choses qui seront déjà au briefing, que vous pourrez rentrer dans votre centrale inertielle avant de décoller. Ou, si vous êtes vraiment un barbare, en même temps que vous avez décollé. Ou, si vous avez FC3 et que vous n'avez pas d'avion, vous pouvez rentrer vos coordonnées, bah vous ne les rentrez pas et tant pis pour vous. On fera ça, que je veux dire, on fera ça. Une fois que l'on a tout ça, vous arrivez... Vous êtes en train, du coup, d'orbiter autour de votre contact point. Vous m'appelez. Vous m'appelez pour vous dire, du coup, que vous êtes au-dessus du contact point à telle altitude. Moi, je vais vous dire, du coup, le keyhole. Rappelez-vous, du coup, le keyhole, c'est un point repérable. Un simple coup d'œil, en gros, ici, pour savoir que le meilleur point repérable, un des meilleurs points repérables qu'on trouve ici, un truc qui se voit très bien sur la carte, et d'ailleurs, on peut tout de suite passer en vue merde, en vue satellite pour le voir, ça va être un des deux carrefours qu'on a ici. D'accord ? Ça, ça se voit bien. Quitte à choisir, je prendrais même celui-ci, qui se distingue beaucoup mieux au niveau des textures que celui-ci où il y a de la verdure autour. Ok ? Donc, en gros, hop, ça marche ou ça marche pas, ça ? Vous avez, vas-y, mets-le, putain. Ça marche pas. On s'en fout. Waouh ! Comme vous pouvez le voir, je manie très bien l'éditeur. Putain, je suis en train d'en mettre encore plus. On n'a pas besoin de venir, il y a suffisamment d'alliés, c'est bon. C'est ça, exactement. On fait la mission annulée, les gars, rentrez chez vous. Là, ce sera un hélicoptère. Hop, voilà. Ça, c'est mon keyhole. D'accord ? Ça, c'est mon keyhole. En fonction de ça, d'accord ? Maintenant, je vous donne les coordonnées du keyhole. Et je vous dis ce que c'est. Je vous dis, voilà les coordonnées du keyhole, c'est un carrefour. Carrefour de route. Je vous dis de maintenir, du coup, parce que j'ai envie de vous filer des restrictions pour mon exemple, je vous dis du coup de maintenir Charlie 6. Charlie 6, donc, avec ma petite réglette synotique, il faut du coup que vous ne dépassiez jamais cette ligne-là. Donc, viens par là mon petit avion. En gros, vous allez faire votre cercle dans ce secteur-là. Sans jamais vous approcher du coup de... Et je vous donne aussi l'altitude, tant qu'à faire. Et vous allez du coup rester ici sans jamais vous approcher en dessous de Charlie 6. Vous allez me faire votre check-in. Donc vous allez me dire, ok, je suis ce que je veux. Je suis... Oui, je suis 1 à 10A. Putain, je vais y arriver. Je suis 1 à 10A, équipé du coup de 4 Mavericks et de full de mon canon. Du plein canon. Un instant. Une fois que vous m'avez fait votre check-in, du coup, je vais pouvoir commencer à vous filer les premières nine lines. Et on va enchaîner, du coup. Je vais vous dire, ben voilà, la première nine line. L'IP, ce sera Banks. La cible, du coup, c'est un blindé qui est situé à un bonbon target.
un blindé situé du coup à telle coordonnée. Vous avez ensuite le listing du token, hein, je vous le refais pas, je vous donne l'élévation, je vous donne le... Enfin bref, tout ce qu'il y a dans le line-line, on s'en fout, je vous fais pas le détail. Une fois que ça c'est fait, ce qui est important du coup, c'est de comprendre l'organisation. Encore une fois, le line-line, vous l'aurez décrit. C'est ce qui est le plus facile, hein, le line-line. Hein. Écrire point numéro 1, c'est tel truc, point numéro 2, c'est tel truc, c'est ce qui est le plus facile. Sauf quand on a des lunettes VR, comme l'a dit Galinette, mais concrètement, voilà. Une fois du coup que ça c'est fait, donc vous continuez de tourner avec votre super autopilote, vous m'avez fait votre prise de notes. Et là, ensuite, je vais commencer soit à vous dire d'utiliser votre TGP pour trouver la cible, d'accord ? Soit je vais commencer à utiliser le token. En utilisant le token, je vais vous dire, ben voilà, du coup, est-ce que du coup, vous avez contact sur Point Echo ? Là, vous allez me dire, OK, contact Point Echo. Je vais vous le décrire. Hein. Je vais vous dire, OK, le Point Echo, c'est un carrefour avec, du coup, une route orientée nord-est-sud-ouest. Une autre route, du coup, orientée nord-ouest-sud-est. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Qu'il y a, du coup, la bordure, du coup, de la ville qui est située à environ 1 km au nord-est, etc., etc. Et là, ensuite, vous allez m'annoncer, OK, de toute façon, des carrefours, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux dans le secteur, vraiment. Si vous avez compris du coup que l'orientation des routes était nord-est d'un côté et qu'ici elle était du coup légèrement inclinée de l'autre côté, vous avez pigé lequel c'était le point écho. Vous allez me dire OK, contact point écho. Et ensuite du coup je vais vous dire bah, par rapport au point écho, la cible elle est du coup à l'est pour 2 km. Ou alors je vais être encore plus compliqué et je vais utiliser un point de référence. Je vais utiliser en fait une échelle de mesure. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Est-ce que vous ne dormez pas encore ça, tous là ? Ça, ouais, je vois où tu veux amener, mais est-ce que ça va pas être un poil compliqué justement ça ? Ça va surtout. Ben en fait, ça va surtout être pour le A10A que je vais dire ça, parce d'accord. que c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de trouver une cible en A10A avec les yeux. Je suis prêt. Donc pour tous ceux qui ont des balls et qui ne veulent pas utiliser de TGP, et pour le A10A qui est avec nous, soyez attentifs à ce que je vais dire. Par rapport du coup au keyhole, ou par rapport à un autre point visuel que je vais donner, d'accord, le keyhole il peut très bien rester sur place et je peux très bien donner un autre point visuel, d'accord, je vais donner ce qu'on appelle un anchor point, un point d'ancrage visuel. Imaginons dans notre cas que ce soit notre carrefour, donc notre keyhole. Ça c'est notre point d'ancrage visuel. Je vais ensuite vous donner une unité de mesure. Cette unité de mesure, il faut qu'elle soit repérable visuellement. Donc, par exemple, l'unité de mesure, ça va être entre le keyhole, quand on prend la route direction nord-est, arrivé au premier virage, au premier carrefour, en gros, vers la gauche. C'est mon unité de mesure. Si vous avez compris ce dont je parle, parce que ça peut parfois être ambigu, vous allez me dire, OK, j'ai compris que ça, c'est l'unité de mesure. Et ben ensuite, une fois que vous avez compris où se situait le point d'ancrage et l'unité de mesure, et ben j'ai juste à vous dire, au 80, pour à peu près 3 unités de mesure, votre cible. Et là, vous avez juste à reporter, vous avez la distance, vous vous dites, OK, le nord est par là, le 80, ça va à peu près être par là, je reporte 1, 2, 3 unités de mesure, le 80, c'est légèrement plus vers le haut, donc j'ai juste à remonter, ma cible est dans le coin. Fin. Ça, c'est du token pur et dur. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi possible que le JATC nous donne la position de la cible avec un bearing et des nautiques par rapport à notre position à nous, comme j'ai eu l'occasion... Ça, c'est seulement si ton JTAC et toi-même, vous êtes feignant. Okay. Théoriquement, le JTAC, en fait, il ne sait pas où tu es réellement de façon certaine. On le sait en temps réel. Et ce qu'il faut savoir aussi, Conwell, c'est que ce dont tu fais allusion, je pense que c'était pour des strikes ou des seeds. T'as pas le risque qu'il y ait des troupes alliées à proximité. Ouais. Okay. Là, il faut être extrêmement précis pour le casse. Mm-hmm. D'où la nécessité de passer du temps à peaufiner, quoi. Ok. Je prends une note.
Une fois du coup que je vous ai donné les informations, donc souvenez-vous, je vous avais dit vous passez par l'IP Banks, notre cible c'est celle-ci, on l'attaque du coup avec un Maverick, voilà, je vous ai en plus précisé ça. Il s'agit d'un tank, hein. Là, j'ai mis des Humvee, mais bon, des technicals, mais bon, c'est des tanks. Et bien du coup, vous allez m'annoncer, du coup, quand vous quittez l'IP. Donc là, pour l'instant, vous étiez en train de faire vos petits cercles en attente à Cinotique au sud. Vous allez passer au-dessus de l'IP. Alors bien évidemment, vous n'allez pas aller droit sur l'IP. Hein. Vous allez faire du coup plutôt une espèce d'oreille pour pouvoir revenir directement depuis l'IP vers la cible. Vous passez au-dessus de l'IP. Et ensuite, vous allez m'annoncer quand vous allez pouvoir larguer votre armement. Quelques secondes avant de pouvoir larguer votre armement. Donc là, on largue des AGM-65, d'accord ? Donc, vous avez toute cette phase de l'IP jusqu'à l'arrivée en gros sur la cible, jusqu'à votre dernier moment, si on veut, plutôt pour larguer l'armement, pour pouvoir tirer, pour pouvoir verrouiller la cible, vous assurer du coup que vous avez bien repris la bonne cible. Ce qui est très compliqué en A10A, ce qui est beaucoup moins compliqué avec tous les autres avions. Et du coup, dès que vous avez du coup de nouveau la cible et que vous pouvez engager, vous m'annoncez in, out et le cap d'attaque finale. Donc in, out, vers le nord. Et là ensuite, j'annonce le clear out. Bam, vous balancez votre missile et vous repartez ensuite en direction du coup du point d'attente que je vous ai donné, le fameux Ygress. Le Ygress, soit je vous le donne en keyhole, soit je vous donne du coup l'IP directement. Je vous dis Ygress back to Banks, retour à Banks, retour à l'IP Banks. Ensuite, du coup, vous faites votre cercle autour de Banks. Okay. Vous pouvez cercler autour d'un IP qui est préconfiguré, sauf contre ordre, vous ne cerclez jamais autour d'un keyhole. Le keyhole, la règle, c'est je ne m'approche pas avant ce point. Okay. Question par rapport à tout ça. Est-ce que vous voulez du coup qu'on fasse un exemple beaucoup plus précis ? Ouais, moi je veux bien. Ouais. Ok, on y va. Je vous prépare du coup une handline en live. Hop, on y va. Alors. J'ai une 65. Comme ça, vous verrez en fait le temps que je mets aussi à préparer une handline. Ah, aussi, point important pour le A10, tu n'auras probablement pas les points des IP qui seront rentrés dans ta centrale. Je vais essayer de voir pour que ce soit le cas, mais sinon, du coup, tu auras au moins ces points-là, les IP, du coup, et le contact point qui seront rentrés dans ta centrale, dans tes points de navigation. Ok ? Ok. Ça te facilitera un petit peu la vie pour tout ça. Et comme ça, par contre, là, du coup, là, je pourrais te filer un relèvement distance, tu vois, point positif, parce que je sais où il est l'IP, donc je peux tracer sur ma carte. Donc, on s'en fout. Hop. Ah, j'ai pas les bonnes coordonnées. Voilà. En attendant, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour ce samedi, pour participer à ce petit event, histoire de prendre les noms. Ouais, Conwell, pour le coup. Conwell. Alors attends, Conwell, tu serais en quoi ? En A10A. A10A, ok. Il y a Chacal, c'est ça ? Ouais, Chacal, en F16. F16, c'est bien, ça va varier. Et les autres, ils se tâtent tellement c'est compliqué. Non, Darman en A10, c'est. Darman A10, c'est.
Attention, je t'ai à l'œil, Darman. Ne viens pas charger comme un muet. Merde. Ah, je ferai soft. Pardon ? Je le ferai soft. Ouais. C'est. Vous pouvez prendre beaucoup de trucs, mais de toute façon, je vous dégagerai avant que vous ayez largué vos trucs. Après, voilà, c'est vous qui voyez, concrètement. Au pire, je reprendrai la main après en tant qu'AFAC pour les délester sur d'autres cibles. Yes, oh, tout à fait. Who else? Fenris, mais ça va dépendre de madame, on verra. Ça sera la négociation. Toi aussi, t'as le. Ouais, vous avez aussi le site où le commandant de contrôle au domicile qui. C'est ça. Fenris, tu seras en quoi? Je me tâche, je pense que ce serait plutôt F18. F18 a priori. Ouais, j'aime pas trop cet avion. Bon bah, 10. Comment ça? Non. Comment ça? Mais non, mais c'est, au contraire, c'est très bien. Ça non, non. Il n'y a pas du Mirage 2000 aussi? Alors, moi, il faut que je demande l'autorisation aussi. Ouais, Galinette qui était en 2000. Moi, je suis soumis au clear hot du Ok, on négocie. Ok, où else? Bon, bah très bien. Non, moi, je suis très intéressé, mais je suis dans le même cas aussi que Galinette avec ma VR. Ah oui, ok. C'est compliqué. Donc, de toute façon. Avec, mais je redescends sur track hier. Soit ça va être très compliqué. En fait. Donc, je suis pas... Bah, si t'as le track hier, c'est très bien. Moi, je vais m'entraîner à faire la dictée de pivot tout en volant avec le 2000. Ah, mais il y a le scratchpad. Bah, je t'ai envoyé le lien, Galinette. Ouais, j'ai vu ça, mais le clavier, c'est technique. Je pense que le crayon, ça va être plus simple quand même. Bah, là, en fait, tu peux déjà rentrer dans le fichier tout ce qui est IP, enfin toutes les lettres. Toi, tu auras juste les chiffres à noter dedans. Ah ouais, bon, je vais regarder. Parce que c'est vrai que par le trou du nez aussi, j'arrive à écrire. Donc, je pense que je peux bafouiller sur le genou. Là, ce que tu as besoin de voir, c'est juste ton pavé numérique, en gros. Bah, d'ailleurs, je suis en train de m'en faire un physique pour l'INS. Ça peut peut-être me servir. Bon, j'arrête. Ok. Il me faudrait un volontaire qui soit ok du coup pour collationner mon plan que je viens de faire du coup le nanline que je viens de faire. Conwell, je suis chaud. Allez, c'est parti. Du coup, dis-moi quand tu es prêt à noter. Attends, nouvelle fiche. Les autres, vous pouvez vous entraîner aussi à écouter du coup ce que je vais dire. Je n'irai pas plus vite, je n'irai pas moins vite pendant le... Enfin, je peux aller moins vite si à votre demande. Mais en tout cas, je n'irai pas plus vite pendant l'exercice et vous allez voir que c'est plutôt soft. Conwell prêt à copier. Ok, Conwell, 99 Alpha. Contrôle type 2, bombe on target. AGM 65. IP Banks. Non attribué. Distance. Non attribué. Élévation. 778 pieds. Cible. MBT. Coordonnées. Nord. 24. 06. Décimal. 230. Est. 55. 42. Décimal. 612. Pas de marquage. Allié sud pour 3 crans. Ygress, retour IP Banks. Readback, ligne 4, 6, 8. Merde, j'ai pas le fond. Readback, là, en fait, je te demandais le collationnement. Donc, readback, okay. Tu me collationnes les lignes 4, 6, 8. Alors... Type 2, bombe on target, AGM 65. Je te demande juste de me read back les 4 lignes de la nanline. Le tout, tu me read back pas tout l'intégral. Je m'en fous en fait. Ce que je veux, c'est justement, je te dis spécifiquement de me read back que les points importants. Donc les coordonnées, la cible et les alliés, la position alliée avec les alliés. Exactement. Ok, donc coordonnées nord 24 06 décimal 230, est 55 42 décimal 612, pas de marquage, allié au sud à 3 crans, donc l'IP pardon, c'est Banks. Non, ligne 4, 6 et 8. Qu'est-ce que c'est que ta ligne 4?
Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Élévation. Merci, élévation. 778 pieds. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ta ligne 6? Les coordonnées, du coup. Ok, qu'est-ce que c'est que la ligne 8? L'IG. Pardon? Le point de sortie, j'ai pas bien non. compris. Ça c'est la ligne 9. Donc c'est les alliés, position alliée. Exactement. Cran. Ok. Exactement. Cran, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est kilomètres. Merci. Je note ça. La position des alliés sera toujours donnée. La position, pardon, au sol, des forces au sol, sera toujours donnée en kilomètres. D'accord. Okay. Donc si, et l'élévation sera toujours en pied. Si jamais je vous dis où sont les alliés, je vous donnerai toujours la distance en kilomètres. Okay. Du coup, sauf si tu n'as pas compris un élément et que tu me demandes du coup de répéter un élément. Par exemple, t'as pas compris ce que je t'ai dit après bonbon target. Ouais. T'as pas compris ce que j'ai dit après bonbon target. Eh bien, tu me dis répéter après bonbon target. Et je te dirai, je répète après bonbon target, AGM 65. Ça marche. Ok. Okay. Si tu n'as pas compris du coup un élément spécifique de la ligne, d'une handline, par exemple, t'as pas compris ligne 2 et 3, t'as pas compris ligne 2 et 3, tu me dis répéter ligne 2 et 3. Et je dirai, je répète ligne 2 et 3. Non attribué, pardon, comment dire, cap, enfin relèvement non attribué et distance non attribuée. Je dis cap tout à l'heure, c'est relèvement. Ok. Ok. Une fois que ça s'est fait, on a fait du coup la première partie d'une handline. On a fait du coup le casse-brief, ok, et maintenant on va parler des remarks. Remarks, du coup, rappel prêt à copier les remarks. Prêt à copier les remarks. Final attack heading, 360 plus ou moins 40 degrés. Report Living IP. Donc du coup c'est 360 plus ou moins 40 degrés et Living IP c'était banque, il me semble. Alors là en gros ce que je te dis effectivement c'est Final Attack Heading 360 plus ou moins 40, donc il faut que tu collationnes l'intégralité. Donc tu répètes Final Attack Heading 360 plus ou moins 40 degrés. Okay. Et ensuite du coup la seule chose que je te dis c'est Report Living IP, ça veut juste dire tu me dis quand tu quittes l'IP. Donc là, tu as juste à me dire Wilco, ou tu répètes bêtement, je rappelle, enfin je reporte, je rappelle, quand je quitte l'IP. Ça marche. Ok. Alors du coup, par contre, pour la remarque, j'aimerais que tu me redises avant de dire la corde, enfin 360 plus ou moins 40 degrés. Oui, je te dis tout simplement, rappel prêt à copier les remarks. Ok, mais tu avais dit un truc juste après, j'ai pas eu le temps de le souvenir. Théoriquement, j'ai juste dit rappel prêt à copier les remarks. Tu m'as dit ok, je suis prêt à copier. Je t'ai dit final attack heading 360 plus ou moins 40 degrés, report living IP, et c'est tout. Donc c'est le final attack heading, merci. Ah oui, ok, d'accord, c'est ça que tu voulais. D'accord, ouais. C'est ça. Regardez s'il vous plaît, du coup, ce que je fais. Donc là, tu es toi, tu fais ton petit cercle autour de l'IP Banks. Donc, après tout, pourquoi pas, je t'ai attribué là, c'était là ton point d'attente. Hein, ok, on a modifié on est sur une nouvelle situation. Tu es là, tu fais tes petits cercles. Tu m'annonces que tu es Living IP. Tu prends du coup ton cap ici. Enfin, plutôt que de faire le boulot, je vais te laisser faire le boulot, à moins que quelqu'un d'autre veuille prendre le relais et se sent du coup l'âme d'un pilote et de me dire du coup ce qui doit se passer. Quels sont les éléments qui doivent se passer à partir d'ici? Allez-y, quelqu'un s'il vous plaît. Ok, je l'ai fait. Pas très motivé, hein. Je l'ai fait. Donc, c'est quoi? Aerial 1-1, là, c'est mon indicatif qu'on voit des pilotes, là. Aerial 1-1, Living IP. Aerial 1-1, in hot. Et là, du coup, le contrôleur lui dit Aerial 1-1, cleared hot. C'est moi, du coup, le contrôleur qui lui parle. Là, je filais juste, du coup, aux infos au contrôleur. Le contrôleur me dit cleared hot, je peux délivrer mon armement. Hop, je balance ma bûchette, je dégage et je reviens autour de mon IP. Et je rappelle ensuite le contrôleur et je dis Aerial 1-1, Vertical IP. Vertical IP Banks. Vertical Banks, ce que vous voulez. Et c'est là qu'on dit ce qu'on a délivré ou pas, c'est ça? Alors, ça dépend du contrôle. Là, c'était un contrôle type 2. Donc là, en gros, le contrôleur, il va nous dire, théoriquement, si la cible est détruite. Donc, soit au moment de repartir, la GM n'a pas tapé la bonne cible, d'accord?
Donc on fait le calcul, hein. En fait, théoriquement, un AGM, il met au pire, il va mettre 1 minute 30 avant de taper sa cible, je crois. C'est un truc du genre, il faudrait que je refasse les calculs, mais c'est quelque chose comme ça. Donc de tirer le plus loin possible, le plus haut possible, ce que peuvent faire les Hornets et les F-16, c'est quelque chose comme 1 minute 30. Donc en gros, bon, là, l'IP, il est assez court, hein. L'avion, il aura largement le temps de revenir ici et de cercler sur son IP. Et au bout d'un moment, si jamais on ne voit pas notre cible qui était l'objectif détruite, eh ben on va redire « Ok, mon cher ami, réengagement immédiat. Réengagement immédiat, même attaque, même downline. » Et du coup, hop, il revient. Tu rappelles quittant l'IP. Et du coup, hop, Aerial 1-1, leaving IP. Aerial 1-1, in hot. Final attack heading, je l'avais oublié. Donc, in hot, direction nord. Et l'autre, il va pouvoir dire « Cleared hot », hop, il balance sa bûchette. Et on repart. Et effectivement, du coup, là, c'est le contrôleur, du coup, qui doit avoir visuel sur la cible. Et c'est le contrôleur, du coup, qui fera le BDA. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez en refaire un autre? Même cas. Ouais. Enfin, je sais pas pour vous les autres, mais moi, ça m'aiderait bien d'en refaire un. Oui, plutôt. Hop! Merde, ma souris a bougé. Allez, ça va comme ça. Alors. Pour toi, cher ami en A10, tu ne feras du coup bien évidemment que du bon bon target. Hein. Pour toi, le reste, ça n'existe pas. Ça marche. Alors attends, par contre, par bonbon target, t'entends tout ce qui est... Il faut que tu aies visuel sur la cible pour l'engager. Bonbon coordonnées, okay. Tu tapes des coordonnées précises, tu peux pas faire ça. Donc, exit ouais. le bombardement sur quoi. Non, c'est frappe tout ça au sol, c'est... Ok. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu relou hein, de décrire des landlines. Hein. Ça me prend quand même quelques petites minutes pour en faire une. Le temps de tout écrire. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de voilà, c'est le moment. Ou pause toilette, c'est l'heure. Voilà, une pause toilette, mais peut-être pas trop longue parce que j'en ai pas pour très longtemps. Petite question. Yes. Le format des coordonnées que tu donnes, on le sait prédéfini à l'avance. Ah oui. Ça, c'est une très bonne question. Je m'adapterai en fonction du coût des avions, mais théoriquement, c'est coordonnées précis pour tous les avions. Et c'est techniquement du décimal, sauf pour Galinette qui est en Mirage 2000, et donc pour lui je m'adapterai et je les mettrai en seconde. Oui, j'allais le dire. Voilà, 285. Pour les coordonnées, c'est du degré, minute, millième de minute, c'est ça? Quand tu dis oui, c'est ça. Mal, c'est ça, okay. Ouais. D'accord, merci. Ok. Est-ce que quelqu'un, du coup, est prêt pour me faire, donc pas toi, cette fois-ci, t'es puni, t'as déjà essuyé les plâtres, Conwell, ce sera quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un, du coup, se sent prêt pour me faire une landline, un exercice de landline? Moi, je veux bien, si vous voulez bien. Allez, vas-y. Allez. Du coup, Snoozy, tu es félicitations, Aerial 1-1. Moi, j'ai pas d'indicatif parce qu'après tout, on s'en fout. Entre guillemets, tu ne m'appelles pas. Donc, Aerial 1-1, rappel prêt à copier la nanane. Nanane, bravo. Prêt à copier la nanane. Aerial 1-1, prêt à copier la nanane. Voilà. Parfait. Aerial 1-1, contrôle type 1, bombe on target. Guns. IP Chevy.
Relèvement non attribué. Distance non attribuée. Ce sera très souvent le cas sur les landlines que je ferai. Yeah. Élévation 850 pieds. Cible MBT. Coordonnées. Nord 24 66 décimale 504. Est 55 44 décimale 0,85. Pas de marquage. Ami sud-ouest pour 3 crans. Y retour Charlie 8. Readback ligne 4, 6, 8. 4 target élève 850 feet. Target location nord 24, 66 décimale 504. Élève est 55, 44 décimale 0,85. Friendly. Sud-ouest pour 3 crans. Ok, pas mal du tout. Tu t'embêtes pas, tu me dis pas ligne 4 et tu me donnes l'intitulé. Tu me dis juste l'intitulé. Donc tu me dis élévation 850, coordonnées 24, 66, 504. Et là, vous pouvez débiter hein, les coordonnées. Moi, je vous les file lentement parce que je sais que vous devez les noter ou vous les rentrez dans votre centrale. Mais vous, par contre, moi, j'ai le papier sous les yeux. Hein. Théoriquement, j'ai pas pu me tromper. Et si vous êtes trompé ou l'un ou l'autre, de toute façon, ça va se corriger. Donc les coordonnées, vous pouvez me les enchaîner. Hein. Nord 24, 66, décimale 504. Est 55 44 0,85. Ok. Sinon, c'est nickel. Readback correct. Rappelé, prêt à copier les remarques. Prêt à copier les remarques. Final attack heading. 285 plus ou moins 20 degrés. Rappelé quittant IP. Copie. Final attack heading, vous me notez ça FAH si vous voulez. C'est quelque chose, vous aurez toujours ça. Le final attack heading, c'est quelque chose que vous aurez toujours. Quel que soit l'engagement que vous ferez, le final attack heading, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ça n'est pas présent sur le document que j'avais tout à l'heure, mais le final attack heading, vous l'aurez toujours, quoi qu'il arrive. Donc c'est quelque chose en fait, et c'est quelque chose que vous devez systématiquement collationner, que tu ne m'as pas collationné, Smoothie. Du coup, final attack heading, je répète, du coup, final attack heading, 285 plus ou moins 20 degrés. Et rappelez, quittant IP Chevy. Final attack heading, 285 plus ou moins 20 degrés. Ok, c'est parfait. Et du coup, même chose, hein, tu me dis juste, et je rappelle quand je quitte IP, voilà. Okay. Donc, maintenant, si tu veux continuer, tu peux. Si jamais tu veux passer la main, tu peux aussi, pour savoir ce que le pilote fait. Je veux bien passer la main, désolé, j'ai des problèmes à la maison. Allez, who's next ? Niveau vocal, pardon. Oh, Pietro, j'ai vu ton micro s'allumer, vas-y. T'es chaud ? Pietro n'est pas chaud. Non, parce que j'ai pas tout noté. C'est pas grave, pas de soucis. J'ai pas pu tout noter. Bon, ah, c'est pas grave. Allez, vas-y, Kyojin, vas-y. Bon, bah donc là, je pars sur Chevy. Excellent. Je pars à l'est de Chevy. Donc là, a priori, de Chevy, il n'y a pas tortillé du cul, c'est à peu près 285 directement sur la cible. Donc je peux avancer. Alors, qu'est-ce que tu m'annonces ? Donc, Living IP. Oh, ok, parfait. Donc là, l'optimo, c'est quoi après ? Tipping in ? Ouais, alors, le tipping in, en fait, c'est. En gros, c'est si jamais, par exemple, tu passes Chevy, et ensuite, au moment de passer Chevy, tu vois, tu fais un virage comme ça pour aller dessus. Ça veut dire en fait que tu passes au-dessus de l'IP, mais en fait tu as encore un virage à faire avant d'être sur place. En gros, ce serait comme si jamais je te mettais par exemple ici et que je te demandais de retourner sur banque, c'est que tu ne fasses pas une oreille comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en gros, tu étais ici, tu passes d'abord sur banque, et ensuite tu me dis ok, j'ai passé l'IP banque, c'est tipping in. Tu vois, je comprends. C'est ça. Donc là, tu étais sympa, tu m'as mis une directe, c'est bien. Donc bah là, je suis in hot quoi, clairement. Ok, parfait. Il me manque un truc. Mince. Le s'il vous plaît, t'as oublié de dire s'il vous plaît. Non. Où est-ce que je vais voter ? Qu'est-ce que je vais voter ? C'est un truc que j'ai demandé à Snoozy de collationner. Ah bah, ça écoute pas quand les autres passent. Hein. Heading, ouais, in hot, 2-8. Tout, enfin 285. Voilà ton final attack heading, c'est-à-dire au moment du coup où tu arrives, quelle est
quel est du coup ton relèvement pour aller vers la cible? Quel est ton cap en gros? Parce que techniquement, tu dois être en pure poursuite à ce moment-là. Quand tu es in hot, tu es en pure poursuite, tu as la cible droite devant ton nez. Quel est ton cap? Effectivement, tu m'annonces bien du coup, final attack heading. Et là, en gros, moi, je dois faire un seul truc, c'est avoir en vue. Parce que théoriquement, j'ai déjà vu sur la cible. Et la seule chose qu'il faut maintenant, c'est avoir visuel sur toi. Pour bien vérifier en fait que ton positionnement, souvenez-vous, hein, je vous ai parlé du contrôle type 1. On est en contrôle type 1 et pas type 2. Donc là, en fait, la seule chose que j'ai besoin, c'est te voir toi. Voir où tu es, voir quel est du coup ton aspect pour pouvoir engager. Et à partir de là, dès que je t'ai en visuel, je vais pouvoir t'annoncer du coup le clear out. Les engagements en contrôle type 1, ce sera de la bombe, bombe lisse la plupart du temps, de la roquette, lisse également, et du canon. Donc, ce sont des armements en fait sur lesquels on va avoir au final très peu de contrôle à proprement parler. On l'arc, ça va tout droit. Donc c'est pour ça en fait que le JTAC va demander un contrôle visuel. C'est pour ça en fait qu'il demande un contrôle type 1, pour bien voir là où vous vous trouvez. Ok. Une fois qu'il a visuel sur vous, il va vous annoncer le cleared out. Alors, je vous demande, cher pilote en gros, de ne pas paniquer si à 4 nautiques de la cible, je ne vous ai toujours pas cleared out. C'est simplement parce que je n'ai pas encore visuel sur vous et que ça va vraiment pas tarder. À 4 nautiques, je vais très certainement commencer à vous voir. Mais avant, je ne vais probablement pas vous voir. 5-7 nautiques, c'est très difficile du coup de vous distinguer dans le ciel. Et dès que je vous ai en visuel et que je vois du coup où pointe votre nez, je vais pouvoir vous annoncer le clear out. De toute façon, 3 nautiques, vous pouvez quasiment rien engager à 3 nautiques. Pas avec des très grosses roquettes, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, donc panique, continuez et attendez vraiment plus ou moins le dernier moment pour dégager. Ok ? Question. Salut Fautoun, une petite question. Salut. Sur les headings d'attaque que tu donnes. Oui. Comment tu les détermines? Je les détermine, soit je les détermine directement par l'IP que je te file, soit tu es au courant de comment ça fonctionne à Keyhole? Non, négatif. Ok, c'est un truc du coup que j'ai expliqué, mais comme j'ai vu que tu as rejoint un petit peu tard. Ouais, bon, en gros, le Keyhole, tu vois le marquage alpha là, l'hélicoptère? Tu imagines en fait que ça c'est un keyhole. C'est forcément un point repérable visuel. Je dis, ok, le keyhole c'est tel truc, je vous file les coordonnées du keyhole, vous les rentrez dans votre centrale, c'est un point de navigation en plus. Par rapport à ce point de navigation, Alpha c'est au nord, Bravo c'est à l'est, Charlie c'est au sud, et Delta c'est à l'ouest. Okay. Et bien en gros, je vais te dire, soit tu attends Charlie 6, j'avais pris comme exemple tout à l'heure, Charlie 6, donc on dessine, 6 nautiques au sud, Charlie 6 c'est là. Et la particularité, c'est si jamais je te demande d'attendre Charlie 6, ce n'est pas tu attends et tu cercles autour de Charlie 6, c'est tu ne vas jamais plus près que Charlie 6. D'accord. En gros, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me faire un cercle de 100 nautiques de rayon, je m'en branle complètement. À un moment, tu perdras le contact radio, c'est tout ce qui se passera. Mais tu fais ce que tu veux tant que tu ne vas pas en dessous de Charlie 6. C'est la seule restriction. Ok ? Et je peux aussi te donner des IP par rapport à ce truc-là. Si je te dis IP Bravo 17, ça veut dire en fait que tu vas devoir passer par ici pour ensuite du coup engager. Ok. D'accord. Et à partir de là, du coup, effectivement, je vais essayer de te donner un final attack heading. Le final attack heading, je vais le déterminer de plusieurs façons. Je vais le déterminer soit j'ai pas besoin de restriction. Si jamais j'ai pas besoin de restriction, je vais pas me faire chier, je vais tracer une droite. Je vais regarder à peu près le relèvement, je ne vais pas me faire chier, je vais dire c'est un 270, ok, final attack heading 270, plus ou moins 60 degrés. Ok, donc là en gros, là on est bien, hein, plus ou moins 60 degrés, si vous arrivez à me foirer un final attack heading à plus ou moins 60 degrés, c'est qu'il faut, il faut arrêter de piloter. Yes. Ou en tout cas, il faut que vous vous entraîniez avant de venir. Sinon, l'autre restriction en fait, c'est je me sers en fait de ce point pour pouvoir en gros faire une... Comment dire, on a du trafic. Imaginons que j'ai... c'est pas de bol, tu vois. J'ai d'autres avions en fait en trafic qui sont là et un autre qui est là. Et ben en gros, je vais me servir du coup de cette IP pour pouvoir te permettre en gros un dégagement par rapport au trafic. Comme ça, je sais en fait que ce secteur-là, il n'y a pas de trafic. Donc, tu vas pouvoir être totalement libre en altitude. Ce que je veux, c'est ça. Quand vous attaquez, sauf si jamais c'est des passe-bombes,
Et sauf si jamais je vous donne du coup dans les restrictions de bien maintenir un bloc spécifique, ce sera que pour les passe-bombes. Sinon, en raw, toujours, quand vous êtes en phase d'attaque, quand vous avez passé l'IP, vous vous attaquez comme vous voulez. Vous voulez monter au niveau 400, vous montez au niveau 400. Vous voulez suivre le relief et vraiment décoiffer tout le monde, vous le faites. C'est vous qui gérez, je m'en branle. Ok ? La seule chose que je veux, du coup, c'est que vous arriviez du coup à atteindre votre objectif. Après, le final attack heading, il est là pour deux raisons. La première, c'est pour limiter votre débordement, et c'est parfois pour vous contraindre à un certain débordement. Si jamais je sais du coup qu'il y a du relief dans un coin, si jamais je sais qu'il y a des défenses SAM dans un autre, bah, il va falloir du coup que je fasse un choix. Et je vais peut-être du coup vous donner un final attack heading plus restrictif, par exemple un final attack heading en direction du nord, du nord-ouest, assez court. Donc par exemple, je vais vous donner un 300 plus ou moins 20 degrés, de façon du coup à ce que vous puissiez attaquer dans un certain aspect. Vous allez passer de Chevy, vous allez vous mettre en place pour pouvoir attaquer, pour pouvoir ensuite revenir vers le 300 plus ou moins 20 degrés. Je ne suis pas tout à fait bien. Voilà, par là. Et du coup, je sais en fait que vous allez éviter les sites SAM qui sont là. Ok. Voilà en fait pourquoi est-ce que je vous oblige à des restrictions. Après, voilà. C'est en gros, encore une fois, il faut garder à l'esprit, je ne suis pas là pour m'amuser et vous filer des restrictions. Si je vous file des restrictions, c'est qu'il y a une raison. Vous allez parfois pas comprendre pourquoi est-ce que je vous mets ces restrictions. Ce que je vous invite à faire, c'est vous noter les trois lettres magiques « what the fuck » WTF à côté du coup d'une restriction que je vous ai filée. Et ensuite, vous m'envoyez un message en débriefing en me disant « mais pourquoi est-ce que tu m'as filé cette restriction ? J'ai pas compris. » Et ensuite, du coup, je vais vous expliquer. Bah, par rapport, moi, du coup, à ce que je sais de la situation, je t'ai filé telle restriction dans l'espoir que tu fasses ça. Ok ? Ok. Autre question. Oh putain, j'ai débordé de 20 minutes. 23 minutes. Je voudrais faire un dernier truc. Je voudrais faire un dernier contrôle qui est un contrôle de type 3. Et après, je vous laisse tranquille. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Ça convient à chacun, les autres ? Ok. Alors, très simple. Très simple. Le contrôle type 3, souvenez-vous de la philosophie du coup du contrôle type 3. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me résumer ce truc-là ? Parce que vous allez en avoir du contrôle type 3 au moins une fois. Tous les autres contrôles, vous allez systématiquement, en dehors de la phase d'attaque, c'est systématiquement moi qui aura l'initiative. Pendant le contrôle type 3, vous serez parfaitement autonome pendant toute la durée de l'attaque. D'accord ? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que ça existe, le contrôle type 3, ou est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'on ferait du contrôle type 3, à votre avis ? C'est pour être un peu libre, entre guillemets, c'est ça ? Pour avoir très peu de restrictions ? Ouais, exactement. En gros, l'idée, d'une certaine façon, c'est de s'abroger des règles, des restrictions en fait que l'on se pose. C'est-à-dire, on sait que sur une zone, il y a pas mal de cibles. Ces cibles ont été repérées, ces cibles ont été indiquées au JTAC. On sait qu'on a beaucoup de cibles. La plupart de ces cibles ne sont pas menaçantes, il n'y a pas d'amis proches, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait du tir fratricide. Donc, on va pouvoir mettre un contrôle type 3 en place. L'idée du contrôle type 3, c'est de dire, on va attribuer un secteur à notre avion, on va lui donner un final attack heading, on va lui donner quelques restrictions en termes de cible et de temps d'action, et ensuite, à partir de là, il sera totalement autonome et il fera ce qu'il veut pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, il ne fera du coup que suivre les restrictions. Souvenez-vous, je vous ai parlé, du coup, il y a deux restrictions qui tombent à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut me les donner, les deux restrictions qui tombent en contrôle type 3 ? Il y a le temps. Le cap d'entrée, non ? Alors, le cap d'entrée, le... Non, mais, le... Ouais, dis-moi. Quand on passe en in-out, au final, on n'a pas de cap pour attaquer la cible. Si, tu as toujours cette restriction, tu auras toujours un final attack heading. Ça, c'est quelque chose, vous l'aurez tout le temps. Ok. Si je ne vous donne pas de final attack heading, vous n'hésitez pas à me botter le cul, à bien vous foutre de ma gueule en me disant hey, « Eh, mon compte a oublié le final attack heading. » Parce que oui, je serais très con d'avoir oublié le final attack heading. C'est un des éléments très importants de l'analyse.
Il y avait engage time, engage time et engage type. Non ouais, exactement. Exactement. Ce qui est très important, en fait, c'est le temps d'engagement. Parce que le contrôle type 3, en fait, on va vous attribuer un temps pendant lequel vous allez faire votre engagement. Abolir les restrictions, c'est bien, mais ça va me permettre, en fait, moi, de pouvoir me libérer pour pouvoir, par exemple, faire quelque chose d'autre. Je m'aperçois, du coup, que mon carnet online commence à être épuisé. Donc, il va falloir que je refasse le plein. Vous avez vu le temps que ça m'a pris pour en faire deux ? En gros, c'est presque 2 minutes à peu près pour faire une line. Donc, 1 à 2 minutes. Donc, en gros, l'idée, c'est que moi, pendant 10 minutes, je vais vous foutre la paix. Vous allez me foutre la paix et on va bosser chacun dans notre coin. Vous, vous allez attaquer des cibles de façon totalement autonome. Moi, je vais remplir mes line. Et ensuite, du coup, on se reprend du coup en contact de façon à pouvoir continuer de bosser sur du contrôle plus restrictif, si on a besoin. Si on n'a pas besoin, je laisse tous les avions en type 3, ils font ce qu'ils veulent. OK ? L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est encore une fois d'engager certains types de cibles. Parce qu'on vous connaît les pilotes, vous allez repérer un truc, vous allez lui bombarder la tronche. Mais si, par exemple, j'ai de l'infanterie mécanisée dans le secteur, si les véhicules qui sont en face de moi, ce n'est que du BTR, j'aime autant vous dire que, enfin, les véhicules du coup proches de moi, il y a des BTR, il y a des véhicules de commandement et des chars. Je vais vous demander de péter le véhicule de commandement et les chars. Je ne vais certainement pas vous demander d'attaquer les BTR, parce que si jamais j'ai de l'infanterie mécanisée va faire qu'une bouchée de l'infanterie motorisée ennemie. D'accord ? Donc il faut comprendre en fait que tout ça, c'est une logique derrière le Grand Force Commander. Le Grand Force Commander, il sait ce qu'il y a en face, théoriquement. D'accord ? Il a des informations. On sait ce qu'on a, nous, aussi, de notre côté à disposition. Donc on sait comment est-ce qu'on doit réagir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous file des restrictions de type. Got it? Yes. Good. Alors, pour notre exemple, du coup, de casse. Je vais me permettre, cette fois-ci, pour, entre guillemets, gagner un petit peu de temps, je vais faire, du coup, la nanline à la volée. Donc, ça va être contrôle type 3, bomb on target, d'accord? Et je peux vous filer un armement de restrictif ou je vous donne pas d'armement de restrictif. Si jamais je ne vous dis rien, c'est qu'il n'y a pas de restriction d'armement, vous faites ce que vous voulez avec votre armement. Ok ? Ensuite, IP. IP, ce sera, allons-y, soyons fous, ce sera Delta 15. IP Delta 15. Le relèvement. Relèvement non applicable. Distance non applicable. Élévation, donc là on va donner l'élévation de la zone hein, générale. Élévation du coup 784 pieds. Les cibles, multiples blindés en bordure sud de la ville. Localisation, pareil, on a une localisation générale. On va filer les coordonnées un peu dans la verte ici. Nord 24,06 décimal 436. Est 055, 42 décimal 327. Pas de marquage. Les friendly au sud pour 1 km. Beaucoup plus pour 6 km, pardon. 3 nautiques. Ygres Alpha 8. Je lui dis du coup de read back ligne 4, 6, 8. Donc, ligne 4, j'avais dit 680 et des bananes, quelque chose comme ça, ou 678 peut-être. Les coordonnées 24,06 patati patata. Et les friendly au sud à 6 km. Ensuite, je lui file les restrictions. Restrictions. Engage time. Il est 23h. Donc on va dire 23,05. 23-15. Exécuter les attaques en bordure sud de la ville. Final attack heading. 0,90 plus ou moins 20 degrés. Attaquer uniquement l'été 72. Et là, du coup, vous devez répondre, en fait, vous devez collationner toutes les remarques que je viens de vous donner, toutes les restrictions. Le type 3, il faut collationner toutes les restrictions. Donc, engage time, de 23,05 à 315.
les attaques bordure sud de la ville. D'accord. J'engage uniquement les cibles bordure sud de la ville. J'engage uniquement des T-72. Et le final attack heading que j'avais oublié, 090 plus ou moins 20 degrés. Ok. Voilà pour le contrôle type 3. Le contrôle type 3, de toute façon, souvenez-vous, tout ce qu'il y a dans les remarks, c'est important et il faut tout collationner. De toute façon, franchement, je ne vous embêterai pas avec des hazards à la con, donc en gros, à chaque fois que je vous annoncerai des remarks, il faudra les collationner. Pour l'instant, gardez ça en tête pour simplifier la chose. Well, well, well. Avez-vous des questions pendant que j'ai détruit mes cibles et mes avions alliés aussi? Ah bah bravo. Bon, moi je pense que c'était assez clair. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué ce type d'exercice? Non, je... malheureusement non. Non plus. Ça compte avec l'IA du jeu ou pas? Oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, l'IA du jeu. Ouais, mais après, ça s'enregistre automatiquement. Genre, avec le ADC, on cherche pas, il y a le petit point rouge et puis c'est réglé. Mais ça, c'est parce que vous avez un avion d'handicapé, ça. Fait tout seul. Mais, oui. Le message. Oui, exactement. C'est vrai que si jamais tu as, du coup, effectivement, un JTAC qui a la liaison 16, tu as un JTAC qui a la liaison 16. C'est vrai que ça a ses côtés pratiques, ouais, la technologie. Après, voilà, hein, c'est concrètement, on va rien faire demain qui ne sorte énormément de l'ordinaire que ce que l'on fait avec un JTAC, IA. La seule chose, c'est que cet enfoiré de JTAC IA, il est basé sur le format de phraséologie du manuel US. Comme je l'ai dit, manuel US n'est pas égal à manuel OTAN, et moi, du coup, mes procédures ne sont pas les mêmes. Donc, ne vous formalisez pas, entre guillemets. Si vous utilisez le format américain, j'en prendrai pas rigueur du tout. Si vous utilisez mon format, je serai très flatté. Et puis on fera au mieux. Ok ? Rassurez-vous, je vais faire des erreurs, vous allez faire des erreurs. Ok ? On est là pour pratiquer et pour, entre guillemets, s'amuser et se dire, en fait, demain... Non. Demain, on bombarde non. Plus, on réfléchit beaucoup. Samedi. Voilà, samedi, merci. Samedi, on bombarde peu et on réfléchit beaucoup. Vous, en tant que pilote, vous allez beaucoup utiliser vos oreilles et vos yeux. Et vos TGV pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Bob, c'est bientôt minuit, tu pourras dire demain. Oui, ben j'espère me barrer bien avant. Non, là, c'est bon, j'ai fini mon speech. Hop, il est 23h03. Dernière question, après je me casse. Casse CAS. Ouais, exactement, très bon. Bien très vu. Elle est puissant. Donnez un cookie à cet homme. Bon, bah ok, je pense que c'est pas mal. De toute façon, les questions, ça peut partir aussi sur le Discord, sur les salons ou envoyer en MP. S'il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit. On part sur donc samedi 21h. D'ici là, n'hésitez pas à envoyer. Alors, tu veux qu'on fasse comment, Photon ? On t'envoie à toi ou à quelqu'un d'autre les participants ? Je veux bien. Envoyez-moi okay. Un MP, les participants. Moi, je vais t'envoyer. Il peut y avoir plusieurs vagues, donc on peut arriver tard. Vous pouvez arriver tard. Ah, vous pouvez arriver tard. Moi, je vais rester jusqu'à minuit. En ouais, parce que de toute façon, tu prendras pas tout le monde à 21h. Non. Je prendrai pas tout le monde à 21h. Good. Et là, il y aura personne à 21h. Non, mais justement, envoyez-moi. Vous savez quoi ? Vous m'envoyez vos MP avec vos dispos souhaités. Si vous avez des dispos larges, vous me mettez vos dispos larges, comme ça au moins j'arriverai du coup à vous trouver un temps pour y aller. Si vous avez des dispos restreintes, bah, vous me mettez vos dispos restreintes et puis je ferai avec. Je me démerderai. On est d'accord, c'est à Caucase. Hein. Caucase, exactement. Oui, là j'ai sorti Persian Golf, mais ce sera sur le Caucase. On est d'accord que c'est deux jours aussi. Bah non. Non, c'est deux nuits. non, ça sera deux jours. Dans le brouillard. Ça, deux jours avec du brouillard et un overcast de 4000 pieds d'épaisseur. Non, ce sera deux jours. Question. Est-ce qu'on peut peut-être déjà essayer d'organiser quelques patrouilles pour ceux qui sont motivés pour partir en patrouille du coup samedi soir? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Ah oui, aussi. Alors, attendez. Oui, mais... Ah.
Oui, mais ça va être... Je suis pas contre. Je suis pas contre du tout. Prenez le même avion, si vous pouvez. Addis A, Addis C, ça me va, mais il faudra savoir du coup que les gens qui sont en Addis C, vous allez entre guillemets traîner un... Je veux pas dire le mot, mais bon. Quelqu'un qui a beaucoup moins d'efficacité que vous. Mais on peut, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir effectivement des patrouilles. Et si vous voulez que je vous trouve des patrouilles, bah vous me le dites, et puis vous, quand vous m'envoyez votre MP, vous me mettez, bah voilà, moi je veux être sur tel avion et je veux bien un copain. Et j'essaierai du coup de vous trouver quelqu'un qui correspond. Ou sinon je vous dirai, bah j'ai échoué à trouver un copain, démerde-toi tout seul. Je le dirai pas en ces termes. Je le dirai quand même. Avec des brief divorce. Voilà. Ça doit bien exister, on doit bien en trouver. Ok, bon bah très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Photon. 2 heures, hein. Merci. 2 heures de blabla. Deux heures de blabla, putain, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Est-ce que tu veux partager ton document ou est-ce qu'on laisse juste l'accès au stream, à la vidéo? Non, je vais vous partager mon doc. Mais mettons les deux. Hein. De toute façon, le document, il n'y a pas grand-chose dessus au final. Le truc qui est vraiment, selon moi, le plus important du document, en gros, c'est de savoir que vous pouvez trouver sur Internet le check-in et un exemple du coup de case brief, d'accord. Et l'autre truc du coup, c'est le case overflow, c'est-à-dire en fait le case flow, pardon. Donc, autrement dit, les différentes étapes que l'on va avoir pendant le case. D'accord. D'abord, on arrive au contact point, on a le contrôleur qui va nous dire « Ok, vous montez à telle altitude, vous prenez tel point. » Il va vous filer le keyhole, etc., etc. Ensuite, il se passe telle chose, ensuite il se passe telle chose, ensuite il se passe telle chose, etc., etc. Voilà les seuls éléments importants. 3 éléments importants sur mon document. Je vais quand même vous le filer. On a parce qu'après tout, je me suis fait chier à le faire. Je sais pas du tout, non, je crois pas. Que je trouvais un exemple de Nine Line avec le funnel attack heading dessus. Oh, champion. Écoute, tu peux mettre ça dans... Je sais pas. Organiser sous formation, c'est une très bonne idée. Allez hop, ça part. Voilà mon document. Je sais pas si vous pouvez l'éditer, je crois que je l'ai mis en lecture seule. Très bien. Ouais, c'est ça, avec le FAQ du coup qui dit effectivement c'est report ready for token. Ouais, c'est ready for amplifying information. Je connais ce que j'ai trouvé là. Ah non, mais c'est elle est très bien. Qui a l'air bien complète. Bon, je les ai imprimés du coup aussi. Comme ça, j'ai. Ok, bon, on va en rester là. Commence à se faire tard, la nuit tombe. Ouais. Exactement. Ouais, merci. Ouais, ceux qui ne connaissaient pas Photon, je les invite à aller sur sa chaîne YouTube. Qui est très très intéressante. Comme ce soir, il était exhaustif et très pédagogue. Donc vous y trouverez la même chose là-bas. Merci pour cette forte publicité. Je m'incline devant... messieurs, si vous avez des questions à tout hasard qui vous reviennent, Et toute remarque constructive ou non d'ailleurs, vous pouvez aussi déconstruire le truc, moi je m'en branle, je le lirai et puis je vous dirai aussi ce que je pense de votre commentaire. Mais non, vous pouvez en tout cas, sérieusement, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, vous me dites « ouais c'était cool, j'ai appris plein de trucs, ouais c'était trop long, ça m'a fait chier », n'hésitez pas. Et puis ça sera peut-être pas mal aussi un petit débrief à l'issue de samedi soir. Tout à fait. Alors, textuel ou vocal, peu importe, mais à mon humble avis, sera textuel parce que vu que je vais finir à minuit et que je vais enchaîner le lendemain très tôt, je vais pas me permettre de rester très longtemps. Enfin, je ne resterai pas du coup le soir. Mais néanmoins, je suis carrément d'avis pour qu'il y ait des retours textuels sur tout cela. Ouais. Ok. Bon, moi j'arrête le stream. Merci encore, Photon. Éventuellement, on se coordonne vite fait là. Enfin, t'as 5 minutes ? J'ai 5 minutes. Ok. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci d'être venu. Bon courage pour samedi. Essayez de bien négocier la chose pour être disponible samedi soir. Et puis, éventuellement, entraînez-vous si vous le souhaitez avant.
Messieurs, merci. À bientôt. Merci encore. Bonne soirée. Salut.